Bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est Jake, on est plusieurs ce soir et on va faire du jeu de société en ligne qui s'appelle Mysterium, que je connais absolument pas, mais vraiment pas, je vois de loin ce que c'est mais je n'y ai jamais touché. Ce soir pour m'accompagner, il y a Ralga, Nino, Ando, Aspadin et Mr Green. Bonsoir tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne. Bonsoir. Donc vous voyez à l'écran le menu du jeu via Steam, qu'on peut retrouver aussi sur d'autres plateformes. Alors vous avez dit qu'il faut aller dans jouer, je crois. Jouer en ligne, je sais plus après. Attends, du coup j'ai quitté la partie pour revoir le cheminement. Donc jouer en ligne, play, et ensuite t'as la liste des lobbies en fait. Faut sélectionner en ligne et ensuite faut cliquer sur play en bas pour avoir la liste des lobbies qui s'affiche. Ok. C'est pas hyper intuitif. Je crois que je suis là. Oui. Pourquoi je ressemble à Jafar? Parce que tu es Jafar. Jafar, je suis coincé. Alors, comme nous sommes au complet, ça a lancé direct. Il n'y a pas de timer, donc on peut parler tout de suite. Ah. Ok. Donc, je vais expliquer le principe. Après, tu pourras expliquer du point de vue des médiums. Donc c'est un jeu à gameplay asymétrique, pour utiliser un terme très, très à la mode à l'époque de la Wii U qui a totalement disparu après. La différence du gameplay à signe impérial. Non, je ne cautionne pas cette blague. J'ai pas compris. Nous sommes 6, nous pouvons monter jusqu'à 7 je crois. Un médium et un fantôme et X médium. Donc là, un fantôme et 5 médiums. Je serai le fantôme sur la première partie. Les médiums vont devoir communiquer avec moi, ou plutôt je vais devoir communiquer avec eux par le biais de cartes que je vais leur donner, pour leur donner des indications sur des informations qu'ils vont devoir trouver. Les cartes sont toutes plus cryptiques les unes que les autres et soumises à autant d'interprétations que possible. Donc, à moi et à eux de réussir à se faire comprendre, sachant que je n'ai évidemment pas le droit de parler, normalement. Je dois communiquer uniquement avec ces cartes. Les médiums vont devoir trouver, qui m'a tué, moi le fantôme. Ah, d'accord. Okay. Chaque médium va avoir un trio d'informations à trouver qui sont un assassin, un lieu du crime et une arme du crime. Okay. Donc là, si vous vous baladez un peu dans l'interface en bas, vous les médiums, vous avez une liste d'assassins potentiels que vous pouvez faire défiler en bas. Le jeu est actuellement facile, donc j'ai fait une partie en facile pour commencer. Il y a que normalement 6 assassins en choix. Donc en bas, c'est la liste des assassins possibles. Voilà, et vous en avez chacun un différent que je vais devoir vous faire deviner. Ok. Et donc, une fois que qu'un médium a trouvé son assassin, il va devoir trouver avec d'autres cartes le lieu du crime et ensuite l'arme du crime. Et enfin, quand tout le monde a trouvé son trio d'informations, il y a une phase finale où il faut que je vous donne des informations pour vous dire quel triptyque était le vrai. Sachant que moi je communique avec un pool de 7 cartes. J'ai 7 cartes en fait qui se remplissent. Quand j'en utilise une, il y a une autre qui apparaît. Mmh. Et j'ai une mécanique de reroll qu'on appelle les corbeaux, qui va me donner à ma demande des nouvelles cartes. Mais je peux pas utiliser ça n'importe comment. Et il y a un nombre de tours avant de réussir à trouver l'ensemble des informations qui est symbolisé par l'horloge en haut, au centre. Sachant que il n'y a pas de compétition, c'est un jeu coopératif pour les médiums. Mmh. Vous avez parfaitement le droit de communiquer et vous avez tous gagné ou tous perdu, suivant ce qui se passe dans la partie. D'accord. Voilà. Dans la liste des cartes qu'on a en bas, on en a chacun un en commun. Non. C'est chacun d'entre nous aura un triptyque assassin, lieu et objet utilisé. En fait, le jeu n'est pas très... c'est un peu contre-intuitif là-dessus.
c'est que on va chacun avoir un assassin différent, on va chacun avoir un lieu différent et on va chacun avoir une arme du crime différente. Mais à la fin, le fantôme lui dira le bon trio, donc qui correspond à un joueur, correspond aux indices que je vais vous donner. Donc en fait, il y aura une phase encore après, une fois qu'on aura déterminé chacun nos triptyques. Voilà. Mais là, en bas, tous les médiums voient les mêmes 6 assassins. Donc je peux même vous le dire parce que moi, je le vois. Ah, vous avez le bricoleur. Normalement, si vous avez le même ordre que moi, vous avez un bricoleur. Oui. Ouais. Une aventurière, un oui. policier, un truc, un gardien. Un concierge. Un concierge, une architecte et un chasseur. C'est ça, ouais. Et donc là, je vais devoir communiquer. Tant que je n'ai pas donné des cartes à tout le monde, il n'y a pas de timer qui se déclenche. D'accord. Donc là, je vais juste donner une carte à une personne pour montrer ce qui va se passer. Je trouve quelque chose qui marche. Allez, tais-toi le fantôme. Mais les boutons en haut, ils servent à quoi ? Alors, les boutons, rien. Non, mais d'accord. Donc tu as l'horloge au milieu, ça c'est le nombre oui. de tours pendant lequel tu dois trouver ton triptyque. À la fin de l'horloge, il faut qu'on ait tous trouvé notre triptyque. D'accord ? À gauche, tu as 3 petits points, c'est le chat, on a un chat écrit. À droite, tu as un œil, si tu cliques dessus, tu vas avoir l'ensemble des cartes. Et en dessous, c'est tes paramètres, quoi. Ah, donc là, l'œil, c'est là où on choisit potentiellement notre triptyque. Non. Ah bon ? Non, tu choisis... l'œil, c'est pour voir toutes les cartes qui sont disponibles là sur la partie, donc c'est-à-dire toutes les cartes assassins, toutes les cartes lieux, toutes les cartes objets. Mais bon, c'est juste pour jeter un coup d'œil justement. Non, tu choisis dans la liste en bas. Mais en bas, il y a que des personnes, il y a pas. Oui, c'est. Non, mais en fait, tu vas voir. Là, par exemple, il y a le tout premier, en fait, le premier joueur qui a reçu une carte. Quand on aura trouvé. La personne, donc l'assassin en question, les cartes vont changer et on va passer à la découverte du lieu. Et une fois qu'on aura trouvé le lieu, les cartes vont à nouveau changer et on va passer à l'objet. C'est, en fait, c'est par phase. Là, dans la première phase, il faut qu'on trouve pour chaque personne l'assassin qui lui est assigné. Enfin, le potentiel assassin, du coup. Donc là, pour ma part, j'ai reçu. Alors, tu peux cliquer sur les profils des gens pour voir un peu ce qu'ils ont eu comme carte. Donc, tu vois, toi, t'es en surbrillance normalement en haut. Si c'est comme moi, moi, je sais que je suis en noir du coup. Donc, j'ai reçu une carte. Donc, je suis en train de regarder ma carte qui veut tout et rien dire. Et avec ça, il faut que je trouve à qui ça pourrait être lié. Est-ce qu'il faut appeler SOS Fantôme quand on voit un sac à main géant débarquer dans la ville ? En fait, tu reçois des visions, c'est très onirique. Ouais, toutes les cartes sont très floues. Il faut faire avec. Donc, et moi, après, tu peux aider tes coéquipiers en disant bah, écoute, moi, ta carte, elle fait penser à ci, ça, ça. Voilà. Donc, tu vois, celle du Nino, elle me fait penser. C'est une communication entre tous. C'est ça. Sachant que bon, normalement je suis plus censé communiquer, vous avez chacun un assassin différent. Donc si il y a deux médiums qui sont persuadés par exemple d'avoir l'assassin policier avec les indices que j'ai donnés, c'est qu'il y en a forcément au moins un qui se trompe. Ça. Ouais. Je bloque encore sur le fait qu'il y ait un assassin par personne, sachant qu'il n'y a qu'un seul mort. Quoi, mais... Non, c'est extrêmement contre-intuitif comme truc. En gros, si tu veux, le fantôme, il est en mode « Attends, je suis pas sûr de qui m'a tué et tout, je vais vous donner à chacun un assassin. » Et après, une fois que tout, on aura trouvé le trio trio d'informations, là, il va se rappeler, en fait. Il va dire « Ah bah si, c'est bon, moi je me rappelle, c'était voter, lui à tel lieu ou avec tel objet. » Alors, est-ce qu'on commence à... On commence par qui ? J'ai une dernière, enfin une autre question. Le corbeau, c'est quoi ? C'est pour moi, en fait. Ça représente le nombre de rerolls de cartes que je peux faire encore. Donc là, il y a un corbeau avec marqué 1 à côté. Oui. Normalement, ça veut dire que là, sur ce tour-là, je peux encore faire un reroll de cartes parce que si j'estime que les 7 cartes qui me propose pour donner des indices sont vraiment trop pourris, je peux faire un reroll.
Tes rerolls, ils sont pour deux, et tes corbeaux, c'est pour toute la partie. Hein. Non, en facile, c'est un par tour. Ah. Ça va. Mais qui joue en facile aussi. Là, il y avait des débutants, donc j'ai fait une première game en facile. Ouais, mais toi, t'es pas un fantôme débutant. Ah non. Là, par exemple, Jack, ta carte que tu as reçue, elle t'est pensée à quoi? Qu'est-ce que t'évoques? Alors, elle me voque. C'est vraiment, c'est très onirique, on est d'accord. Hein, c'est vraiment. Oui. Très bien. Très proche. Des fois, tu vas avoir un disque. Si je prends la carte comme ça, on voit des usines, de la pollution, quelque chose de surindustrialisé. Mais en même temps, ça fait penser à une araignée. Les boîtes de conserve, c'est assez rond. Ça peut faire penser à des pièces qui auraient pu être jetées. Enfin, ça me fait penser à des pièces. Enfin, en termes de décor. Ouais, quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'interprète juste ça comme ça. Par rapport à ce que j'ai en bas, voilà. C'est flou. Ouais, voilà. En fait, faut essayer de voir d'abord si t'as un thème global qui se dégage de la carte. Souvent, c'est comme ça que ça va se goupiller. Et puis, souvent, si t'as qu'une seule carte, tu cherches plus un thème global. Voilà, je vois qu'il y a un thème global qui est en rapport avec les mécaniques. Ouais. Du coup, je me dis que t'as peut-être le mécanicien. D'accord, il faut voir ça comme ça, d'accord. Par contre, les visions, vraiment, c'est chacun, on a nos chacun propres visions, mais pour nos personnages proposés en bas. Tout quoi. À fait. Voilà, par exemple, la carte du monsieur là-haut, c'est qui ça? Ça doit être chez Nino, je pense. La noire. Le monsieur avec la moustache et les lunettes. Ouais. Oui, c'est noir. Nino. Regarde le fond. Le sac à main. Le fond de couleur. Le fond de couleur. Ah oui, noir. Le sac à main, c'est que pour un personnage à Nino, c'est pas pour moi, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est ça, c'est que pour moi. C'est chacun reçoit une carte. En fait, le fantôme essaie de nous faire deviner pour toi quel est ton suspect, en fait. Et donc, concrètement, je t'ai donné... je fais exprès de ne pas donner la dernière carte pour le bleu pour ne pas lancer le timer. Parce que pour bien l'expliquer. Donc là, les 5 médiums ont chacun un assassin à trouver parmi les 6 qui sont en bas. Oui. Vous avez tous les 6 mêmes. Vous avez chacun un assassin et moi je dois communiquer avec des cartes qui sont au mieux pas claires, au pire ultra cryptiques, et pour essayer de vous donner les informations pertinentes. Par exemple, là, vu que c'est la première partie, je vais dire que l'analyse de Mr. Green sur le bricoleur est complètement justifiée. Je vais pas dire qu'elle est bonne, mais elle se tient. Pourquoi il y a un point d'exclamation derrière Madame Wang? Parce que j'ai fait un choix. Tu as fait un choix, d'accord, ok. Voilà. J'en profite pour remercier si Aspadam pour son don sur la campagne. C'est qui en jaune, du coup? C'est moi. Ando, ouais. Ça me prend une petite affichage de pseudo. Avec Gera, t'aurais pas le chasseur? Non, je pense que j'ai plutôt le gardien. C'était ça, des ampoules et tout, il y a une lanterne. Non, au contraire, je pense que c'est plutôt moi qui ai le chasseur. Parce que j'ai une forêt... Ouais, et la deuxième carte a des tons qui évoquent vachement les feuilles qu'il y a sur mon personnage. Ouais. Et puis je me dis que les trucs avec des ailes, bon, ça peut être des piafs qui peuvent aller chasser. En rouge, ouais. Il est très tentatif. Du coup, je me dis que cette deuxième carte est presque suffisante à elle toute seule. Du coup, peut-être que... Alors après, peut-être qu'il n'a pas voulu mettre que la deuxième carte, parce qu'il y a aussi... le château, le zeppelin, du coup la notion d'aventure, et qu'il ne voudrait pas que je confonde avec l'aventurière. Oui, mais je pense que la deuxième carte, elle est plus par rapport à la couleur des feuilles. Ouais, peut-être. Et moi, avec l'idée d'argent, j'aurais peut-être l'aventurière. Je pensais aussi. C'est la seule qui a vraiment de la richesse sur son... La seule, ouais, entre les rubis... enfin, oui, c'est un rubis, oui. Bah, c'est la seule qui a des trucs en or, en fait, tout simplement. C'est ça, ça. Donc l'or me fait penser à l'aventurière. Non, je vais mettre la dernière carte et ça va déclencher le timer. Qui est long. Hein, il dure 2 ou 3 minutes. Peut-être pas tant que ça, mais il dure longtemps. What the fuck? What the fuck, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais? C'est avec qui ça joue bleu? C'est en bleu. C'est Aspadin? C'est Aspadin.
fais avec ça? Bonne ambiance, hein. T'as des pingouins qui arrachent des plumes des oreillers, qui me déversent du sel partout. Tu joues à League of Legends? Je pense que ça peut être l'architecte, mais je suis vraiment pas sûr. Quel rapport avec la deuxième carte? C'est bien ça qui me fait peur, justement, cette deuxième carte. Ouais, ouf. Ah, c'est pas moi, du coup, j'ai qu'une carte, hein. Non, t'en as deux, toi, Spadin. C'est le bleu, Spadin. Ah oui, j'avais cliqué sur quelqu'un. Ah oui. Excusez-moi. Ça veut rien dire. La salière, c'est quoi? C'est parce que je suis salé, c'est ça? Suite. La moitié du temps est déjà écoulée. Ah. Ah, bon bah... Vous avez la roue. Moi, je reste sur mon aventurier pour l'or. En bleu, alors attends, en jaune déjà, c'est soit si c'est pas le chasseur, tu disais. Est-ce que soit... ce serait. Mais attends, pas... je crois que c'est moi qui suis en bleu. C'est moi qui suis en bleu en fait. Eh, c'est bien ça. Mais c'est oui. Pas moi qui suis en bleu du coup. Non, c'est moi, excusez-moi. Il reste 30 secondes. Ouais, donc le timer dure 2 minutes. Spadin est en jaune, Alma, ouais. Ouais. Je peux dire, si vous savez, si vous êtes pas sûr, faut quand même faire un choix. Idéalement, un choix qui a pas déjà été pris. Oui. On peut voir qui normalement, choisit. Ah oui. Vous avez une petite pastille en bas à gauche sur chaque assassin avec le choix de qui a été validé. C'est ça. Il manque le jaune qui n'a pas validé, il me semble, de choix. C'est ça. Il y a rien de particulier à faire pour valider le choix. Faut juste cliquer si. Dessus. Si, faut que tu cliques sur choisi. Et du coup, t'as pas fait deux choix. T'as pas validé. Ouais, bah du coup on a sûrement inversé les deux, hein, parce que moi j'ai fait un choix. Bah ouais, moi c'est pareil. Du coup c'est moi qui suis en jaune. Oui, toi t'es en jaune, et moi je suis en bleu. Et du coup, normalement, Jack, tu vois maintenant d'autres cartes qui représentent des lieux de... Des lieux, ouais. Voilà. Mais du coup les deux qui n'ont pas trouvé leur assassin ont toujours leur assassin à trouver, ils ont toujours les... Et du coup je vais leur donner des nouvelles cartes pour encore le même assassin. D'accord. L'avantage, c'est qu'on a plus que 3 possibilités, du coup, voire même que 2 pour moi, vu qu'on a éliminé une. Et l'horloge a avancé d'un cran. Ouais. Pour signifier qu'un tour est passé. Tic-tac. Oh, petit chat. On dirait Ori de Ori and the Blind Forest. C'est vrai qu'il en a quasiment les oreilles. Ouais. Ou le dragon blanc de Dragon 3. Il manque des ailes. Ouais. Oh, je vais faire garder dragon à Benoît récemment là. Il avait encore jamais vu. Ah ouais? Ouais. Ah, la roche qui a une vision. Ça va être facile. J'ai eu une vision, ouais, dans les flammes. Ça c'est facile. L'instrument de musique, t'es dans le son. Ouais. Sûr, ouais, avec le. Avec le. Phonographe. Oui, c'est ça. Avec le sonotone géant. Je pense plus à la cheminée que le phonographe de Tmir. Au pire, Ralgam insultera. Non, moi je resterai sur l'instrument de musique. Hein. Oui, moi aussi. En fou. Phonographe. Cheminée, après, ça dépend. Ne valide pas ça m'évoque plus la cheminée que le phonographe. Bon, au pire, je peux changer en fait. Oui, tant que si tu veux. Que tout le monde qui est sur le lieu ait sa carte et tu vas voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a effectivement la même que toi. Alors, en jaune, c'est qui du coup? Mettez-vous d'accord. C'est Aspada. C'est Aspada en jaune. Oui, c'est ça. Un violon avec des bateaux. Une bouteille. C'était peut-être la notion de maison sur la première carte, donc l'architecte. Et là, il y a pas ouais, mal de bois, avec notamment les crayons, les trucs comme ça, le compas. C'est ce que je pense aussi, oui. Donc l'architecte serait plus pour toi. Bah, sur l'architecte là, mais par contre, Aspadin. Ouais. Je l'ai pas recliqué, mais... Moi... Peut-être le policier. J'en sais rien, c'est chaud. T'es en bleu, c'est ça? Alors, ouais, je suis en bleu. Mais ça fait quoi ces cartes? Pourquoi le policier? Je sais pas, mais c'est policier ou gardien, donc.
Ouais, uniforme, pingouin, manchot, ouais, uniforme, uniforme, costume. Pingouin, je pense. Et chevalier qui fait un peu l'ordre. Ah, ouais, je pense aussi à ça. Ah, en fait, avec la torche qui rappelle le bâton, oui. Peut-être, ouais. Pourquoi pas, ouais. Bon, pour info, si tu as entendu une animation, c'est que j'ai lancé un corbeau pour changer mes cartes. Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, oui, j'ai entendu un corbeau, il a fait quoi, quoi, quoi. Ça veut dire qu'il a des cartes de merde. Bah, elles sont toutes de merde, c'est juste que j'arrive pas à faire un lien qui pourrait être clair, tu vois. Ça veut dire qu'il est dans la galère. Et qu'on va souffrir aussi. Mais non. Ah. Merci. J'ai eu une vision. Oh bah. Ah bah c'est Jay. Sans hésiter. Alors, qu'est-ce que t'as ? La gargouille. Chose de très c'est toi qu'elle est toi, Jake. Les toits. Ouais, ah ouais, les toits. C'est sûr, ouais. C'est toi qu'elle est toi, Jake. Et ça se trouve, il a la statuette dans le bureau à côté du phonogramme. Non. C'est pas faux, en vrai. Ouais, ça peut aussi être les oiseaux. Hein. Gargouille. Gargouille 3, le chat en bas de l'image. Mais, ouais, je suis plus d'accord pour dire que c'est Jake qui a la. Qui a ouais. Puis il y a des gargouilles sur le toit. Ah, t'as eu un balai. Putain, il y a un balai avec. Balai. Mais le balai, du coup, c'est le gardien plutôt, non? J'en sais rien. Putain, Benoît. Attends, j'ai une hypothèse. C'est le gardien parce que les pingouins. Imaginons, c'est un gardien de phare, il peut peut-être croiser des pingouins. Un phare et ah, pingouin. Attends, un gardien de phare, la lumière, l'effet. Oui, la lumière, la lampe. Oui, peut-être. Et le balai, bah parce qu'il passe le balai. Ok. Pourquoi les pingouins? Gardien de phare, je sais pas. C'est pas. Non, c'est pas les pingouins qu'il faut regarder, c'est la salière qui peut évoquer la lampe à huile. Oh. Ouais, ou ah je sais pas, les cheveux peut-être du mec qui sont blancs. Ah, il y avait plein d'autres pertes. Il y avait aussi l'architecte qui avait des cheveux blancs. Oui, et c'est pour ça que je pensais que l'architecte en premier. Non, je pense que maintenant c'est le concierge. Ouais, je parle là-dessus. Ah, vous avez reçu une vision. Oui. Le timer est lancé. Ah, mais c'était ça en fait. C'était la salière pour la lampe et la flamme pour le bah, pour la lumière en fait, simplement. Hein. Une sorte de monstre. J'ai envie de dire que j'ai peut-être la forêt crépi. Ouais, c'est ce que je veux dire aussi. Hein. Ouais, je partirais sur la forêt crépi. Donc... Parce que le côté monstre, sombre. Un peu peur, ou alors c'est la chambre d'enfant pour la balle. C'est quoi, c'est une balle, on est d'accord? Ouais, c'est une balle, mais il n'y a pas de balle dans la chambre d'enfant. Après. C'est quoi le rapport avec le... Pokémon, aux couleurs inversées. Oui, en plus, tiens. C'est quoi le rapport avec les monstres? En quoi ça, la carte, la vision que tu as... Ah, ok, la porte est un monstre, j'avais pas compris ça. Okay, oui, la d'accord. Porte est un monstre. Du coup, ça me fait penser à, bah, à la forêt un peu magnifique. Un peu mystique, ouais. Bah surtout que les deux arbres avec le dessus de la forêt représentent bien l'entrée. Hein. Mm. Moi je valide. Allez hop. Ah, super. Vous êtes... Ah, merde. C'est pas ça. Vous êtes sérieux? C'est pas ça. Mais un balai. Essaye encore. Un balai. Bon bah du coup. C'est toujours passé en dos. Bah du coup. Bah attends, je sais, par élimination. Mais alors du coup, faudra nous expliquer la logique. Enfin, ouais, si, la logique. En fait, pourquoi le balai? Parce que la matraque? Oui. Oh bah non. Je suis désolé. Bah du coup, quoi, t'as plus trop le choix, tout s'explique, mais c'est pas oui, très clair, quoi. Bon bah, c'est pas dingue, forcément, tu connais le tir ici, du coup. Bah, non, mais après, du coup, avec le bateau, t'as le bateau, après, t'as les lampes, avec la lampe qui est représentée. Bah, oui. En finalité, tu retrouves les éléments, mais. C'est pas très clair de base, quoi. C'est le principe du jeu. Non, mais après, il est hyper intéressant. Ah bah, c'est Cluedo qui rencontre Dixit, de toute manière, donc à part ça, là. Maintenant, Jake, Ralga, tu peux donner des cartes poubelles pour. Oui, pour oui. Mais c'est un peu abusé sur de faire ça, mais. Oh non! De toute façon, on peut pas se tromper, il nous reste plus qu'un choix chacun. Donc... Oui. J'ai une vision. Une porte. Une porte rouge avec un bateau pirate. Un pirate? La notion d'un truc qui s'ouvre. Hein. Donc
le coffre. Ouais. Bah, tu m'expliques comment dans ma carte tu peux voir. Alors si, la statuette éventuellement, tu peux la deviner. Mais... Rouge, ouais. Mais après, il y a le pirate, il a une canne. Hein. Il a une canne, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais, la super, canne. C'est le petit détail. Voilà. Partir sur, pas, le... Hein. Sur les trois, je vais partir sur le plus évident, vous ne voudrez pas. C'est s'il n'a pas... pas mieux, ça peut être ça, mais tu peux essayer la box pour commencer. Hein. Bon, bah au moins, ça sera une carte dans le thème pour toi, Spadin. Ouais, ça devrait aller là, on devrait pas trop être mal. Je suis très content de voir arriver cette carte après la bataille, tu vois. Claire. Quoique c'est une prison, on aurait pu penser que c'était le policier. C'est vrai. Mais non, t'as la petite colombe de la liberté dessus. Bloup. J'avais reçu une vision. Donc moi, ce n'était pas le côté crépi du monstre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bah t'avais la chambre d'enfant. Ouais, je pense plus à la chambre d'enfant. Je trouve que c'est ah, attends. Attends. Ça peut aussi être la cuisine, hein. Ouais. Pourquoi la cuisine? Parce que le monstre, il a faim. C'est la notion de truc qui mange des choses sur la première carte. Et la deuxième? La couleur. Deuxième, oui. Bah la deuxième, c'est la fenêtre de la cuisine. Ouais, t'as les fenêtres et de la cuisine. Et le ton global, hein, niveau couleur. Ça, tout y ressemble. Hein. Mais bon, honnêtement, ça se défend quand même avec la chambre d'enfant. Bah, bon chance, hein. Bah écoute, je pars sur... je suis la vie globale, hein. Ah, mais peut-être que c'est des erreurs. Ouais, c'est la bonne excuse pour nous cracher dessus après. Hein. C'est soit la chambre d'enfant, soit la cuisine. Et c'est vrai que je rejoins le côté manger, puis même les couleurs de la cuisine, les fenêtres... Je comprends pas trop le rapport entre la carte maison et la chambre d'enfant, par exemple. Une carte mignonne. Ah, moi, il y a aussi des fenêtres sur la chambre d'enfant. Ah, bordel. Oui, c'est pour ça que la deuxième carte elle correspond un peu aux deux, mais la première, du coup, correspond... Si, ouais, si on part sur l'idée de manger, la première part mieux sur la... T'as abusé, Ralga. Ralga, t'abuses, il m'a donné 6 cartes. La poubelle. Heureusement qu'il t'a dit qu'il le faisait pas. Bah oui, j'avoue. Ouais, mais je bah, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que le mec, il a un corbac par tour et il trouve le moyen de pisser des cartes. Ah, mais ouais. C'est vrai qu'une tortue hélicoptère, c'est très raccord avec une partage. Jay, avec ton épouvantail, t'es ouais. Où bah, je viens de le recevoir. Au premier abord, un épouvantail, c'est fait pour faire peur aux animaux, enfin tout ça. Alors, donc, en rapport avec l'animal, du coup, je partirais sur le piège à ours ou à loup, là. Mais ça, c'est au premier abord. Après, j'essaye de creuser. Moi, maintenant. Moi, j'ai une deuxième vision. Ouais. L'épouvantail, ça fait un peu penser à la statue aussi. Je pense aussi, ouais. C'est humanoïde, un peu. Alors, je vais jusqu'à dire que c'est humanoïde, mais c'est l'objet. Non, fixe. Mais. Bah, si, c'est humanoïde. C'est clairement. C'est une représentation de quelqu'un. En tout cas, moi, je serais sur la statue. Statue ou piège à loup, je suis assez d'accord. La statue me parle pas vraiment. Normal, c'est une statue. On est vraiment sur un truc extérieur très campagnard là. Oui, mais faut pas se baser sur l'intégralité de la carte. Faut vraiment chercher. Non, mais un épouvantail. T'as déjà vu un épouvantail d'intérieur ou dans une église? Non, mais reste sur le côté beaucoup plus général. Vraiment. Oublie côté pas, fixe, pas que côté cartes... humain. Ah, voilà, oublie pas en que fait, les cartes sont. Je pense que tu quand tu joueras fantôme, tu comprendras mieux ce qu'on veut dire, je pense. Oui, je pense. Parce que les cartes que t'as en fantôme, c'est le bordel. 30 secondes. Je prends la statue, mais ça, j'ai une préférence pour le piège à loup quand même. Il faut que vous validiez. Ah. C'est vraiment trop fort. Hein. Donc c'est la chambre d'enfant. Tu vois, Jake. Okay. Bah, donc c'est bien joué en fait pour la balle. Ouais, c'était la balle qu'il fallait voir. Le petit détail. Donc c'est la chambre d'enfant. Donc là, il faut. C'est quoi qui se passe? Alors les là, deux. Faut attendre que les autres jours aient fini. Voilà, il y a deux médiums qu'ont trouvé leur triptyque, en l'occurrence Mr. Green et toi, je crois. Mm-hmm. Donc là, il reste encore 4 tours pour que les autres trouvent. Et pour l'instant, vous pouvez, du coup, les deux médiums qu'ont trouvé, ils n'ont rien à faire à part aider leurs copains. Nino, je me demande si le tien finalement, c'est pas le cabinet de curiosité parce qu'il y a quand même une grosse gueule de.
de... Elle va tout le faire, la pauvre. Ah oui, t'as raison, la gueule. C'est quoi le rapport avec la maison, encore une fois ? C'est pas le bois. Les couleurs, peut-être. Aussi un peu les couleurs, c'est vrai. Je vais vraiment toutes les faire. Hein. De toute façon, il m'en reste deux, il y a encore quatre tours. Je partirai plus sur la chambre d'enfant, moi, perso. Je vais attendre la prochaine carte. Mais en fait, le truc, c'est que l'argument d'Endo pour la première carte se défend vachement. Et tout de suite, il a beaucoup plus de sens que pour la cuisine ou que pour la... Oui, mais non, je pense pas. En fait, vu la carte que je viens de recevoir, je ne pense pas. Oui, c'est peut-être toi qui as le cabinet de curieux. Ah oui. Ouais, avec les requins au-dessus. Hein. Non, attends, mais non, t'as un bol de soupe. T'as la cuisine. C'est un bol de thé, excuse-moi. Oui, c'est un truc qui se bouffe. Ah oui, t'as raison, c'est du thé. C'est du thé, ouais. Après, oui, je vais faire le gros rouleau. Mais attends, t'as vu comment c'est rouge rosé? T'as la chambre d'enfant. Oh, tu fais chier. Non, moi, c'est un peu le problème de jeu, c'est que faut être dans la tête du fantôme. Qu'est-ce que y a un téléphone quelque part? Allô, maman bobo, téléphone enfant. Mais y a pas de téléphone. Y a les fenêtres. Allez, mais oui, mais les fenêtres, je suis d'accord, mais alors dans ce cas, c'est la chambre d'enfant, si c'est les fenêtres. Mais pourquoi la gueule du monstre? Je sais pas, c'est peut-être le cadran. Mais c'est pas la gueule du monstre, en fait, qu'il faut voir, c'est peut-être juste la balle, comme les balles ou les... Oh non, c'est des... Ou alors la gueule du monstre en mode cauchemar enfant. Il y a beaucoup de trucs qui font cauchemar enfant dans le jeu. Il n'y a pas de téléphone. Mais... Attends, il a quoi, Spadin, il a un loup, enfin un ours plutôt, une sorte d'ours, des forêts. Bah, la forêt, du coup. Ouais, je pense que c'est la Spadin qui est plus sur la forêt creepy, par contre. Oui. Clairement. Il n'y a pas trop d'autres possibilités. Hein. Ouais, j'avoue. C'est très Drossvard des deux côtés, quoi. Oui. Bon, bah, je sens que je vais me planter, c'est sûr. Allez, moi, ce qui m'a choqué en premier, enfin choqué, qui m'a interpellé en premier, c'est le dauphin. Donc, dauphin, le gueule de requin. Allez, hop, c'est parti. Mais non. Et voilà. Mais non, mais... Ah, c'est bon, j'avance. C'était le bol de soupe. C'est un putain de bol de soupe. De thé. Un bol de thé. De thé. Non, c'est de la soupe de poisson. Oh. Bon, c'est bah, si... la cuisine... Si le timer tombe, enfin au bout des 6 heures, là il se passe quoi? C'est perdu. D'accord. Il faut que tout le monde ait trouvé. Come again. Alors je me reste pense que du coup, là. Je vais avoir la cuisine du coup. Par réduction. Oui, forcément, t'as la cuisine. Ah oui, il y a plus que celle-là. T'es fatiguant, toi. Alors attends, qu'est-ce qu'il reste? Le risque de servir de poubelle. Non. Alors, si tu cuisines des chiens, on va pas être content. Non, mais c'est la chimie de la cuisine, oui, les mélanges. Ouais. Et le chien a mangé avec. Ouf. Ouais. Je pense qu'au-delà de la chimie, enfin même, la chimie, c'est parce qu'au-delà de la réaction, il faut juste voir des contenants de liquide. Oui. Comme des verres, des soupières, des casseroles. Le chien sinon, comme la viande. Soir, encore une soupière. En fait, il faut presque juste chercher les concepts basiques. Ça dépend des cartes que t'as, ça. Hein. Quand on a qu'une seule, tu regardes s'il y a un concept basique qui se dégage. Et s'il correspond à aucune autre carte, à aucune carte que t'as, bon, bah, tu commences à chercher dans les détails. Évidemment, si t'as deux cartes, souvent, ça sert à rien. Argent comme Nino. Au bordel. Oh, bah, je peux savoir. De la ferraille et de l'équilibre. Le piège. Non, c'est pas tellement l'équilibre, je pense que c'est plus la lourdeur. Non, je pense que c'est juste un animal. D'accord, donc le piège. Oui. Ah, moi, je partirais peut-être plus sur l'alter. J'hésite avec l'alter aussi. La force. Ouais. C'est vrai que ça se défend aussi, un éléphant c'est lourd et l'alter est en métal. C'est vrai. Ouais, mais je sais pas si c'était. Ah oui, c'est vrai que s'il avait voulu mettre le pied, j'aurais peut-être juste mis que la première carte. Ouais, je pense aussi, ouais. Et je pense que tu attrapes très peu d'éléphants avec un piège à loup. Encore que non, parce que la première carte, si tu la mets toute seule, tu prends le piège ou tu prends le club de golf?
on le piège quand même, je trouve. Ouais, pourquoi le club de golf? Je sais pas, l'idée d'avoir un truc avec un... Tu vois, par exemple, la clé à molette pourrait rappeler l'idée d'un truc que tu tiens à la main qui est un... Pour moi, c'est la force, donc ça serait l'alter, mais les deux se tiennent. Pour Raspatin... Oh, je pense après, que c'est l'éléphant, il tient spécifiquement sur une jambe, et qu'est-ce qui va dans un piège? Une jambe... Ah... Les deux se défendent. Après, je veux dire, il reste du temps, hein. Il reste encore deux tours après celui-là, donc... Allez, Raspatin sur la canne, je pense que c'est bon. C'était pas ça. Essayez encore. Non, c'était pas ça. Sérieusement, c'était pas la canne. Ça, ça me semble être une évidence. Hein. Mais vraiment, il y avait deux gentlemen. Bah, ils font du golf. Ouais, mais la canne, ça marche aussi. Hein. Ouais. Attends. Il y en a un qui est plus vert. Bon, c'était peut-être plus le rapport au green, mais... Je pense surtout qu'il a essayé de faire ce qu'il a pu avec ce qu'il est, parce que j'ai du mal à voir le rapport en fait. Ouais, je suis même pas... En fait, ça se trouve, il n'y a même pas de rapport avec le club de golf. Enfin, ouais, je vois le green. Non, quand même, il y a deux fois quelqu'un avec un haut de forme et tout, donc plutôt la richesse a priori. Oui, bon, merci. Merci en tout cas. Il fait une fixette sur les chapeaux en tout cas. J'avoue là. Alors, je ne fais pas de fixette sur les chapeaux, je fais ex-que le jeu me donne et j'ai beaucoup de chapeaux. Ah, quand même, hein, y a un sacré dénominateur commun sur les cartes, a priori. C'est pas celui que tu veux nous faire deviner. Bien, chapeau bas, en tout cas. Donc, moi, j'aurais l'alter, logiquement. Oui, je pense. Bah, t'avais pas déjà validé l'alter? Ah, non, j'avais validé le piège. Ah, bah, c'est sûrement l'alter, alors. Ce qui veut dire que la canne est sûrement pour moi. Par déduction, encore une fois. On va voir les cartes qu'on a. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Je crois que Benoît n'est même pas du tout. Attends, t'as une cible. En même temps, cible. Le piège, il est pour personne pour l'instant. Hein. C'est le piège. Il a peut-être le club de golf. Hein. Non, non, c'est le piège. Bah, viser au centre du trou, de la cible. Bah justement, les flèches, la cible, c'est l'effet de chasser. Donc chasser, piège. Ouais, moi j'avais plus tir à l'arc, sport. Les deux se défendent. Si ça se trouve, c'est absolument pas ce qu'ils veulent nous faire voir. Sachant que c'est l'avant-dernier tour. Vous avez aussi une vision. J'ai un avion en papier maintenant. T'as surtout des éplats en plomb. Ouais, t'as des éplats en plomb. Ouais. Ah, et des avions en papier. Donc c'est l'alter. Ouais, je pense que c'est l'inverse de... Attends, ça s'ouvre. T'as le club de golf. Qui, moi? Oui. Mais pourquoi? Parce... Avec les trous. Oui. Parce que t'as des balles sur la carte de l'éléphant et parce que, du coup, la carte avec la mécanique pourrait... Oh, un trou de golf. Je vous déteste. Oh punaise, c'est chaud. Non, depuis le début, on a... Ah, bordel. En vrai, je pense que les haltères se défendent plus. Le coup des trucs en plomb sur la carte, c'est quand même plus visible que les trous. Ouais. Et je pense que l'éléphant a plus d'importance sur la carte qu'il a donnée que les balles et les trucs comme ça. Oui. Surtout que dans ces cas-là, à quoi correspond les cartes de chaque objet, quoi. On va vite savoir. C'est bon. Yes. Ah bah, c'est bon. Oula, c'est laborieux, hein. Ah, tu nous aides pas en même temps. C'est la pierre du Comino. Oh ouais, c'est bon. Alors okay. Là, c'est confrontation des suspects. Donc, j'ai du coup, je dois choisir un des triptyques qui va être le vrai suspect. Mm-hmm. Enfin, vrai suspect, vrai lieu du crime, vrai arme du crime. Ouais. Donc, un triptyque de vous 5. Et je dois vous donner 3 cartes qui ne correspondent pas forcément. Genre la première à l'assassin, la deuxième au lieu du crime, la troisième à l'arme du crime, parce que c'est mélangé, je crois que c'est aléatoire. Ouais. Et à partir de ces 3 cartes, vous allez devoir trouver le bon assassin. Enfin, le bon triptyque. Sans communiquer.
En fait, là, jusque là, on vient de mettre en place le scénario, en gros. Et toi, l'idée, c'est de nous faire trouver celui qui correspond le plus, enfin celui qui correspond à ta mort. C'est ça. Sachant que je choisis le triptyque que je veux faire deviner, des 5. Mais tu choisis en fonction des cartes que tu vas avoir, ou tu le choisis d'abord et après tu tires les cartes? J'ai les cartes, en fait. C'est les mêmes cartes que ce que j'avais avant. J'ai encore C'est encore les sept cartes que j'ai de... C'est le même pool de cartes qu'avant. Ok, d'accord. Donc on n'a pas le droit de communiquer et on verra comment chacun interprète les cartes qu'il va nous donner et sur quel triptyque. On peut pas communiquer là ? Non, on peut pas communiquer là, c'est chacun pour soi. Et du coup, c'est gagné quand la majorité a gagné, je crois ? C'est ça, oui, c'est ça. Quand la majorité est sur le bon. Et s'il y a égalité, c'est aléatoire. Bah là, il n'y aura pas égalité. Ah bah si, quand même, c'est toujours possible. S'il y a deux. Oui. Ce serait très improbable, mais c'est possible. Orbeau qui vient de passer. Le fantôme en PLS. Non. Ça sera pas bon pour nous. Le temps là, c'est que pour le fantôme, d'accord, c'est pas. Oui. Oui, c'est que pour moi. Donc là, sur le temps à partie, chacun doit choisir un des triptyques. Sachant qu'il faut scroll pour voir les 5. Hein, ouais. C'est pas ultra visible, mais. Et ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Oui. Oui. Dans l'ordre. Il y en a 4, donc à partir de là. Non, mais les 3 cartes, les 3 indices. Qui nous ont été donnés sont pas forcément dans l'ordre tueur, lieu, arme. Attends, vous le voyez dans quel ordre vous Les plombs, puis après l'échelle, puis après le trésor. C'est ça. Ok. Ça veut dire que attends, okay. C'est non rien. C'est bon. La question c'est une carte indice que tu nous as donné correspond forcément à un piège ou un lieu ou un personnage ou ça peut. En théorie, oui. Après, si tu as genre 3 cartes de bouffe et la cuisine, ouais. tu peux orienter comme ça. Mais d'accord, ok. En général, c'est pas mal de croiser un peu les infos, même si ça brouille encore plus. Je suis donc le seul pour l'instant qui avait l'idée. J'ai une idée, mais je prends le temps de réfléchir. Je ne vois pas ce que tu as validé et du coup ça m'inquiète. Je le vois que quand tout le monde a validé, donc le temps est terminé. Mmh.
je suis en train de partir dans plein d'hypothèses dans ma tête, c'est pas bon quoi. Ouais, moi aussi. L'important c'est de penser, c'est de voir quelle est la plus probable. Voilà, donc je suis mute sur Discord. Donc c'est le mode de jeu le plus simple en plus. Là, ce que je pense, c'est soit le policier, soit le concierge. Après, la difficulté, c'est juste lié au nombre de rôles que le fantôme va avoir. Pourquoi lui ? Parce que... Il y a plus de choix aussi. Forêt, serrure, serrurier... C'est suivant la vitesse à laquelle tu trouves, t'as plus ou moins de cartes à la fin. Mais policier, grand chapeau... Et puis des validations, je sais pas comment ça s'appelle. Ça va pas être emprisonné, ouais. De valider ou refuser le choix de tes collègues qui te donnent ou t'enlèves tes points aussi. Je sais pas du tout. Je vais mettre ça. Il faut valider. Sur le gardien. Pouf. Ouais. Yes. Alors pourquoi le gardien ? Mais pourquoi le gardien ? Parce que enfin tout ce qui il aurait. Ouais, je sais pas, concierge, réparer, entretien, voilà, lumière, jardinage, serrurier. C'était la clé, le cadenas pour les clés du gardien. Ouais. Le côté un peu nuit, voilà, nuit et puis choses dans le ciel. C'était pour la carte du lieu, donc l'arbre. Pour vous rappeler, c'était l'arbre un peu démoniaque, quoi. Et le plomb, en fait, c'était aussi les. Ça faisait penser aux choses qui pendaient à l'arbre, quoi. Et du coup, je pense qu'on était plus sur le coffre au trésor pour l'aventurière. L'échelle avec le mec de la nuit pour l'enfant et les plombs pour l'altère. Ouais, exactement. Je trouve que l'échelle avec le mec était le plus faible des trois. Ouais. Oui, mais c'était la seule qui dégageait une aura un petit peu enfantine en fait. Oui. Ouais, non, mais de toute façon c'était la plus faible des trois et j'ai fait ce que j'avais et je me suis dit que les deux autres étaient beaucoup trop évidentes et que ça le lien allait se faire. Moi j'ai hésité pendant un moment avec le chasseur. J'hésitais entre le gardien et le policier, moi. Donc, C'est vrai que j'hésitais avec le chasseur à cause de la boîte. Ben, le chasseur, parce que t'avais la boîte pour le coffre, t'avais la carte avec les plombs où t'as une forêt pour la forêt. C'est juste pareil, la carte du milieu qui était un peu faible. Et je me suis dit, elles sont dans l'ordre, c'est improbable. Donc ça doit pas être ça. Voilà une partie classique. Ok. Je vais la recréer une parce qu'il faut quitter pour en recréer une. Ah, ok. Qui joue le médium ? Le fantôme, tu veux dire ? Enfin, le fantôme Jake ? Non, pas de suite. Je préfère encore en faire une en comme je viens de faire là. Histoire que ça rentre un peu et plus tard peut-être. Je veux bien m'y coller, moi. Je veux bien, mais ça fait très longtemps. Faites pile ou face. J'ai un truc là. Non, mais. Faites pile ou face. Ah merde. Pardon, je l'ai recréé avec mon fantôme. Je choisis pile. Nino, pile en dos face. Ouais. Ah, ok, Google, lance une pièce. C'est tombé sur pile. Et bah, c'est Nino. Okay. Très bien, la dernière fois que j'ai fait, j'étais très mauvaise. Mais ça, en plus, ça date. La partie est créée. Alors, je viens d'avoir un truc juste là avant. Donc, partie finie, ok, vous avez gagné, succès et compagnie. Et là, il y a marqué carte débloquée, félicitations, vous avez deviné toutes les cartes du premier coup. Donc, une carte unique a été ajoutée à votre deck. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui peuvent être débloquées. Alors, en fait. Bah parce que Nino, elle a pas rejoint en fantôme ou toi, tu as rejoint en fantôme. Merde. Attends, je te laisse la passe du coup. Comment on fait pour rejoindre en fantôme? Faut que tu quittes du coup, je pense. Ouais, j'ai quitté. Je choisis ce fantôme. Okay. Et Aspadin, par contre, il a rejoint. C'est pareil, du coup. C'est en fait, oui, parce qu'en fait, vous avez pris le rôle n'importe lequel et par défaut, il remplit la place du fantôme. Ok. Et du coup, pour répondre à ta question, Jack, en l'occurrence, moi j'en ai quelques-uns parce que j'ai fait quelques parties et j'ai des DLC. Et en fait, ça rajoute des cartes possibles dans les assassins, lieux et objets ou des cartes dans le pool de cartes pour faire deviner. D'accord, ok. Et comme c'est moi qui crée la partie, c'est mon deck qui sert de. De pool de cartes, on va dire. D'accord, ok. Autre question. Là, dans la partie rejoindre, il y a. Donc au milieu, je suppose que c'est le fantôme. En premier, c'est quoi ?
c'est le aléatoire. C'est pas, en fait, c'est pas aléatoire, c'est n'importe quel rôle, sauf que par défaut, en fait, il te fait jouer le rôle du fantôme s'il n'y a pas de fantôme dans la main. Et en dernier, c'est médium, c'est ce qu'on vient de faire là pour... Oui. Ok. Donc tu peux rejoindre Jack, tu seras notre dernier médium. Je suis un peu angoissé. Allez, adieu, bon courage. Alors, je suis qui? Je suis orange. Tu es orange, oui. Ok. Je suis noir. Je suis bleu. Je suis gris. Et Aspadin est jaune. En toute lumière. Encore. C'est drôle parce qu'il y a vraiment des cartes que moi, dans le physique, je sais pas du tout. Oui. Par exemple, la soubrette, je l'ai pas. La fleuriste, je l'ai pas. Bah, de faire partie des extensions du jeu physique, non? Ouais, sûrement. Et puis en plus, là, on part de mon deck et j'en ai pas mal de cartes, mine de rien. Et pour meubler le temps que Nino arrive à communiquer avec nous, il y a également une option possible où on change le dernier des trois trucs à trouver, qui n'est plus un objet, mais un scénario. Contexte. Scénario, voilà. Scénario. Ce qui est... C'est-à-dire que, par exemple, tu as la maison qui brûle, c'est la façon dont tu meurs, en fait. Qu'est-ce que... D'accord. T'as un bal, t'as une maison qui brûle, t'as plein de trucs un peu obscurs, t'as une prison, et c'est un poil plus compliqué. Parce que c'est encore plus soumis à interprétation qu'un objet, qu'une arme du crime. D'accord. Je m'excuse, je prends un peu mon temps, mais je suis en train de regarder toutes les cartes, qui a quoi et qu'est-ce que je vais en faire. Je vous promets qu'on va bien s'amuser. Et du coup, là, la partie étant facile, donc le corbeau a... Enfin, le fantôme a un corbeau par tour. Mm-hmm. Et il n'y a que 6 choix. Enfin, il y a le nombre de médiums plus 1. Plus 1, okay. Donc là, il y a 6 assassins, 6 lieux et 6 armes. Il y a en médium, il me semble que le fantôme a que 3 corbeaux sur l'ensemble de la partie. Mm-hmm. Et il y a plus de choix, je sais, j'ai pas le nombre exact, mais ça devrait, on doit pas, au lieu d'être à 6 là, on doit être à 8 ou 9. Ou 7, 8, on est à 7. Il me semble que c'est nombre de médium plus 2 en moyen. Ouais, et il y a le hard où le fantôme n'a qu'un seul corbeau et il y a 9 choix. C'est plus 2 ou plus 3, je sais plus. C'est chaud, quoi. Oui. Faut déjà être. Faut se lever tôt. Faut être vraiment bon, et pour le coup, si c'est des gens avec qui tu as l'habitude de jouer, tu peux deviner la façon dont ils pensent. Un indice de Ralga et moi, aucun ne sait comment pense l'autre. Toujours pas. Après voilà. Et ça devient hyper intéressant parce que tu vas beaucoup plus dans le détail des cartes. Par exemple, il y a des fantômes qui se focalisent beaucoup plus sur les tons, les couleurs, enfin le plus le... Ils vont te donner une carte avec des teintes de rouge en disant « bah ça rappelle quand même telle carte qui est quand même très rouge. Ouais. » Même si le contenu des deux cartes n'est pas du tout le même, tu vois. D'accord. Évidemment, ça marche moins bien avec des daltoniens. Et concernant le jeu physique, c'est exactement pareil. C'est le même jeu, enfin moi, ça, y a pas de... Oui. C'est exactement le même jeu, tu passes juste 20 minutes à préparer le jeu parce que y a des... c'est que des cartes physiques, en fait. Oui. Mais oui. Et du coup, la préparation est un peu longue. Et pour beaucoup de place, pour une grande table. Mais c'est très cool en physique. Oui, vachement sympa. Nino s'est endormi. Non, je demandais un aspect technique à Benoît, pour être sûr. Alors, j'arrive. Qui était... Comment on donne des cartes aux gens? D'accord.
Tu les fais glisser sur le personnage. Tu peux les faire glisser ou appuyer sur le bouton, si je comprends bien. T'as les deux choix. Alors, j'arrive. Donc. Il est bien bavard, ce fantôme. Question, du coup. Est-ce qu'il y a des daltoniens parmi nous ce soir? Tant mieux. Est-ce qu'il y a des sourds aussi? Comment? Peut-être pour ça qu'il y a personne qui a répondu. Ah, daltonien sourd, du coup. Daltonien est sourd. Ça fait lourd. Ça fait un peu lourd. Ça commence à faire beaucoup pour une seule personne, quand même. Ouais. Statistiquement, ça doit exister. Hein. Oh oui, oh. Oui. Oui, oui. Sourd, daltonien. Bon, j'allais dire daltonien aveugle, mais en même temps. Je pense que techniquement ça doit exister, mais la cécité n'est-elle pas finalement une sorte de spécialisation du daltonisme? Bah, je pense que tu peux avoir le gène qui te dit que t'es daltonien, mais comme t'es aveugle, tu sais pas que t'es daltonien. Qu'est-ce que vient faire au gène ici? Après, tu peux être aussi daltonien et être aveugle pour une toute autre raison que... Oui, c'est vrai, être aveugle après, par accident. Voilà, ou genre parce que, je sais pas, t'as un nerf optique qui est pas développé, ou un truc comme ça. J'en sais rien. J'ai du coup, techniquement t'es aveugle, mais techniquement c'est aussi daltonien. J'ai reçu une carte. J'ai une vision dans les flammes. C'est très poétique. Et donc, c'est très Mary Poppins. J'ai un grand bif volant avec un ramoneur. De menhir. Ah, mais là, tu vois, si j'hésite entre deux, tu vois. On dirait la poste, hein. Ouais, la poste pour le... Et mais après, il y a le cheminée, quand même, avec le hérisson, peut-être la plus brette, hein. Il a une petite moustache, là. Ouais, cela dit, je pense plus à l'idée d'un facteur, en fait. Moi aussi, quand même. Il voyage avec son vélo. Voilà. Ah ouais, alors, par contre, moi, je me retrouve avec un gros stylo plume. Comment je fais? Attends. Ça peut être un balai de soubrette, ou un balai à chiottes. T'as le balai, tout simplement, ouais. T'as de la verdure et t'as la jardinière. Ah oui. Bah oui. C'est vrai que ce qui me choque le plus, c'est quand même la verdure, donc je vais peut-être plus partir sur la jardinière, mais je vais attendre de voir ce que tout le monde reçoit. Ah, oh, ça ressemble quand même beaucoup à la jardinière, hein. J'ai qu'il a la soubrette. Il oui, a cendrillon. Pour la petite cloche. Ah, pardon, excusez-moi, je viens de revoir ma 4. C'est quoi le quatrième c'est personnage? Non mais le quatrième personnage c'est quoi exactement? C'est... Un noble. Le noble. Un généalogiste? Non. Le noble, la sacrée profession. Ouais. Le rentier. Tu fais quoi dans la vie? Je suis noble. Bah en vrai... Oui. Finalement, qu'est-ce qu'il fait à part être noble? Bah pas grand chose. Parce que moi, dans ma vision, là, j'ai des requins dans le désert et des traces d'un cervidé, une fenêtre qui s'ouvre sur le désert, la petite cloche qui ouvre un truc sur le champ de blé, des fleurs qui en sortent. Ah ouais, c'est cryptique, hein. Là, comme ça, premier abord, premier avis, ça serait la cloche, effectivement, la domestique. Ouais. Mais il y a des fleurs aussi, hein. Les fleurs, je te le laisse plus pour ta jardinière avec les oiseaux, là. À l'aide. Tu es déjà mort, tu n'as pas appelé à l'aide. À l'aide. Ça vient. Je fais une... Oui, bah, je pense que je vais... Sur le balai à chiottes là, t'as quand même un stylo plume devant qui peut aussi faire penser au noble. Hein. Ouais, ou au noble. À quel même nom, pas non, enfin le noble non. Non. Y'a rien qui évoque le stylo plume c'est le noble. Éventuellement l'horlogère, ça pourrait évoquer les outils qu'elle a, mais oui. Vite fait quoi. Elle a des outils qui ressemblent beaucoup au stylo plume. Ouais. Maman, à l'aide. Pas trop réfléchir en fait. Non, il faut vraiment sortir le concept de base sous-jacent de la carte. C'est une sorte de déconstruction par l'absurde.
Alors, on est d'accord que la domestique, elle doit acheter du lait, des concombres et des serviettes. Oui. Oui, oui. C'est une liste de courses assez éclectique, on va dire. Hein. Elle est peut-être pas terminée. Bon alors, traire les vaches, couper les concombres, laver les serviettes. C'est pas trop la soubrette qui traite les vaches. Hein. Oh non, bah, s'il y a qu'elle dans le terrain. Est-ce que le fantôme nous aurait entendu et il nous donne des fruits parce qu'il y a le concombre? Non, je pense qu'il nous donne des trucs qui ont des formes d'étoiles qui évoquent un peu les engrenages. Allez, rip. C'est qui en bleu déjà? C'est moi. Ah, c'est bon, chaud le bleu là. Le bleu, c'est les traits de peinture qui rappellent les fils. Oui. Alors, du coup, les traits des fils, c'est plus la jardinière. Hein. Ou alors non, la. Ça j'ai rien. Ah ouais, à quel moment sur la carte que j'ai la jardinière. Les couleurs. J'ai 100% la couturière. Oui, j'ai couturière. Pas les couleurs, ça me faisait bon. Ah, mais regarde la petite, je sais pas comment s'appelle ce truc là où elle plante les aiguilles sont toutes les couleurs. Il y a de ça et même, enfin, ça relève quand même de l'artistique, que ce soit de la couture ou de la peinture, enfin, tu peux relier ça facilement au cosplay, etc. Tu peux rallier ça à côté mode. Oui, oui, mode, voilà. Art. Donc le jaune, je ne sais plus, c'est Aspadin, je crois. Ah, c'est une galère. Hein. Je pense que t'as l'horlogère. Tous les fruits, les trucs, moi, enfin, les étoiles, ça m'évoque pas mal les engrenages. Et bah si, c'est ouais. Pour ça, pardon, famille. À voir. Ah, oh. Je vous l'avais dit, c'était sûr. Je vais pas jardinière. Je le sentais pas. Ça va bien se passer, les amis. Attends, dans quel monde, en ayant ce putain de mec sur son vélo qui a une casquette et une moustache, j'ai pas le facteur? Bah, ça se trouve, t'as le noble. Quoi? Il est au-dessus de tout le monde, regarde-le là, en train de se pavaner. Bon, sauf que c'est un roturier. Hein, oui, avec un balai, quoi. Voilà. C'est un hérisson, mais ça. Non, mais ouais, c'est peut-être le balai pour la soubrette. Ouais. Mais alors du coup, moi la question que je me pose, la carte de Jake, elle correspond à quoi? Jake, il est en orange. Ah bah du coup, non mais attends, oui, bah évidemment aussi, attends mais... Ok, non, alors attends, ça veut dire que c'est peut-être la nature et que donc Jake est la jardinière? Ouais. Sûrement, et moi je dois avoir l'horlogère. Ouais. L'horlogère, parce que oui, ça rappelle les outils. Mais alors Aspadin, il a quoi? Aspadin, il est en jaune. Et bah il a... Bah il a la scoop. Bah sauf que... Non, c'est peut-être toi. Et moi, la roue du vélo rappellerait pas l'horlogère? Oh non. Ok, alors si la roue du vélo rappelle l'horlogère... Endo, il a quoi? Bah la soubrette du coup, non? La soubrette, parce qu'il y a un balai. Ok. Donc s'il a la soubrette, du coup... tac tac tac... Merde, attends, c'est qui a la soubrette? Enfin, j'ai l'impression que du coup, il y a deux soubrettes, qu'il y a deux horlogères et qu'il y a. Il y a, non, il y a deux. Jack fleuriste, moi soubrette, Aspadin. Ah, je sais vraiment pas. Ah, j'ai reçu une vision. J'ai des pièces avec un. Ça pourrait être le noble, du coup. Bah, je suppose, oui. Il y a personne qui a des pièces. Bah, je dois avoir le noble. Ouais, puisque les pièces c'est rond et doré. C'est marrant parce que hein. Si t'avais pas mis le postier, je t'aurais dit deux fois le postier parce qu'il y a encore la moustache. Mais ce n'est évidemment pas le postier parce que bah, c'est pas possible. Jack a la magnifique cage avec les oiseaux mécaniques. Hein. À remonter et mécanique, remonter. Ouais, ça ce serait bien l'horlogère quand même. Alors, l'horloge, la petite clochette de la boutique. Il aurait pas plutôt le noble? Il y a une montre.
aussi. Je sais pas en fait. Le truc c'est que la première carte, je la vois pas trop rapport avec l'horlogère. La première carte, comment tu l'as fait, le lien avec l'horlogère? Ouais, c'est vrai. À part pour le côté métal de la cloche, mais bon, c'est vraiment... Des couleurs aussi, peut-être, mais... Des trous un peu sépia, un peu comme ça. Ah, bon, le truc, c'est que la première carte, je la mets sur rien de ce qui reste. Alors, en fait, je pense que Jack a la fleuriste. Parce qu'il y a les fleurs qui tombent de la fenêtre sur la première carte, et sur la deuxième la carte, il y a la cage. La cage, elle est en fleurs. Mais attention, par contre, parce qu'il y a aussi du décor végétal sur la main en métal, mais il y a aussi des engrenages sur la main en métal. Ah ouais, okay, mais il a raison sur le fait que la première correspond à rien, du coup. Ouais. Bon, ouais, je sais pas. Là, je suis un peu largué, je vous avoue. Je pense que le fantôme est en train de mourir une deuxième fois actuellement, je pense. Bon, c'est le cas de tous les fantômes. Oui. Aspadin, pauvre, mais... Ça, à chaque fois, toi, tu vois ton truc, c'est hyper évident, tu l'as vu, c'est ça, c'est forcément ça. Puis à un moment, il y a rien d'autre. Ah mais oui, attends, tu vois là, le machin, bah c'est tellement l'autre bidule, là, auquel toi, t'as pas du tout pensé. Et pourtant, ça se défend. Et cette personne, c'est souvent un certain Mr. Green, d'ailleurs. Et, oh, hein. Oh, punaise. Ouais, non, mais t'as définitivement l'horlogère. C'est l'horlogère, hein. Et donc, du coup, c'est ce qui a été dit, ouais, donc dans ces cas-là, ce serait la jardinière. Et du coup, ça serait plutôt pour toi la soubrette, Aspada? Ouais, je pense que c'est ça, du coup. Qui correspondrait, parce que ça arrivait juste après qu'on ait parlé de la nourriture. Ouais. Je pense qu'il faut même pas voir la nourriture, il faut voir les poubelles. Ah. Ah, mais aussi la nourriture, et sur la carte de la soubrette, il y a une cloche à repas. Il y a marqué concombre aussi. Et il y a marqué concombre. Je vois pas beaucoup de concombre sur la nourriture. Vous saviez que les chats avaient peur des concombres. Ouais, c'est des vers, c'est pareil. C'est un fruit, quoi, c'est bon. Attends, parce que ça se trouve, elle va te donner une carte qui est de dire « Ah, mais attends, c'est le postier !» Et le postier livre des fruits. Ça a tout son sens, en effet. Non, mais tu comprends, il y a une orange, et il est rouquin, il a la moustache orange. Et la lettre est jaune, donc le citron correspond bien. Ah bah, c'est la nourriture, là, je pense, hein, clairement. Je pense qu'elle a voulu faire passer une information. Ouais. Ouais. Sans souci. Ouais, il y a beaucoup de nourriture d'origine végétale et il y a un truc de liquide. C'est donc la jardinière avec ses fleurs et son arrosoir. Et pour toi, Mr. Green, je pense que tu peux aller dans le garage. Oui. Oui, je pense que tu peux. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Ça semble un peu évident. Encore qu'en deuxième choix, ça pourrait être l'arbre. Mais, soyons honnêtes, il y aurait une autre carte pour accompagner. Oui, je pense. Ouais, parce que c'est, on a l'impression que ta carte, elle vient du décor. Il y a quand même des éléments très spécifiques. C'est que dans les couleurs et tout, on tient quand même plus sur le garage. Oui. Et bah voilà. Oh là là, magnifique. L'horlogère veut une explication sur sa première carte. Voilà, attends, c'est qui avait l'horlogère déjà? Mais on ne s'en souvient pas. C'était avec le jardin et tout. Oui, bah c'était le balai, c'était les outils qui ressemblaient au... T'avais un crayon, et le crayon ressemblait au crayon qu'utilise l'horlogère en outil, oui. Ah mais coucou Eléa, je l'ai pas vu sur le stream. On reprend. Enfin je dis coucou chez Jake évidemment, je ne suis pas français. Oui. Il te dit coucou aussi. Où est Léa? Il y a encore ce putain de club de golf. Quelle horrible carte à faire deviner. Ouais. Et en plus, c'est la bêche avec. Oh putain. Ouais, mais t'as des détails en plus sur le club de golf que t'as pas sur la bêche typiquement. Si tu trouves un truc avec genre des panneaux ou du texte ou quelque chose pour accompagner le club de golf... Ouais. Alors, du texte, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée hein, par rapport à la machine à écrire. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est quoi la carte à côté de la bêche? C'est un tison. Non, c'est un hameçon. Non, c'est un tison. C'est un putain de tison. Ah oui. Alors nous avons un lustre avec des bougies. Bah ça correspondrait sur quoi il est. À la crypte. Voilà.
Moi je dirais ça. L'araignée en plus, un peu creepy, plus les momies. Enfin les momies, les cocons du coup. Enfin, je regarde si on a pas de trucs rapport avec les araignées peut-être. Attends, heureusement qu'on n'a pas eu la carte de la bibliothèque avec la crypte. Alors. Avec cette putain de statue de chevalier. Ah ouais, elle est insupportable la bibliothèque. Ça se trouve. En deuxième choix. En deuxième choix sur la carte avec l'étoile d'araignée et tout, ça pourrait être le grenier. Oui. Oui. Ouais, mais t'as quand même les bougies, enfin, ou les ou les lampes qui correspondent. T'as quand même pas mal de choix, 100%, on est d'accord. D'accord. Les soldats, j'avais pas vu sur le bas. Après, et quand les joueurs se disent « Ah, il y avait ce truc que j'avais pas vu », et là, le fantôme se dit « Ah, merde, moi non plus. » Évidemment. c'est systématique. Alors, il y a de... Carrosse, peut-être. Pour les tons, ouais, l'idée du coffre qui évoque soit le coffre qui est dans le grenier, soit celui qui est dans le... Il y a des pièces sur la banquette du carrosse. Exact, voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je partirais plus sur le carrosse, quand même. Et le coffre pour les valises qui seraient dessus. Ouais, absolument. Ouais. Traverser la forêt même, t'as un petit côté richesse, enfin... Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, c'est clair. Même s'il y a une maison avec toutes les pièces qu'il y a comme carte du jeu, c'est un sacré manoir, mine de rien. Ouais. J'avoue. Pour information, le fantôme vient de soupirer à côté de moi. Oui, va donc. J'ai reçu une vision. Ah, j'ai reçu deux visions. Oh là. Ah, il y a la carte la plus cryptique. D'accord, c'est le livre là ou c'est la tortue qui porte tous les mondes? C'est la. Normalement, il n'y a pas de baleine entre les deux. Il n'y a pas de baleine entre les deux normalement. Et il y en a cinq des éléphants. Quatre. Le cinquième, il est tombé. Ah, tu vois. Et là, faut que je choisisse parmi ça. On n'a dit pas le garage, on a dit pas le carrosse, pas forcément la crypte. Il me resterait. Partirait sur le salon avec le phonographe. Pareil. Il y a des peintures d'éléphants. Et alors ah, en fait, oui. Il y a éléphants et en fait le bateau c'est un violon en fait sur la carte. Oui, la oui, carte. Oui, tout à fait, oui. Donc le phonographe. Et toi, t'as l'arbre qui fait peur. Ah oui, clairement c'est pas le grenier. Hein. Ah, coco, okay, il y a une cage. Une cage, hein. Ouais. J'avoue que la cage elle est tentante. Hein. T'as quand même l'arbre derrière aussi. Je partirais plus sur l'arbre personnellement. De toute façon, on a de l'avance hein, sur le nombre de tours. Hein. Oui. On est plutôt bien là. Ça va bien se passer, hein. J'arrive. Chanelise. En attendant, on peut chanter. Quatre éléphants qui se balançaient sur de grandes tortues. Toi. Toile d'araignée. Quand j'étais petit, ma maman me chantait tout le temps cette chanson.
tellement de pression pour notre dernier joueur. Oh non. C'est moi qui ai la pression, c'est le fantôme. C'est toujours le fantôme qui a la pression. Ouais, le fantôme est... De toute façon, si les médiums perdent, c'est la faute du fantôme. Et si le, les médiums gagnent, c'est grâce aux médiums. Exactement. Exactement. Ouais, enfin, cela dit, il y en a qui diraient que si les médiums perdent, c'est ma faute que je sois fantôme ou médium. Oui. Ça se défend. Non, on dirait que c'est Jake parce qu'il a pas fait le tuto. J'ai fait le tuto, mais j'ai pas fait le mode histoire qu'on m'a dit de faire, c'est pas pareil. Alors, j'ai fait le tuto, j'ai lu les règles qu'il y avait écrites dans les options, quoi. Bon courage. Alors, bon courage pour la dernière carte. Oh bordel. T'as choisi quoi? Le tisonnier. Orange, la lance. Le feu. Ouais. Et puis la lance, ouais, ce que j'aurais dit aussi, moi. C'est vrai. Ouais. J'en profite pour passer une petite annonce. Si un jour quelqu'un trouve une machine à écrire comme ça en bon état, état potable, pour vraiment pas cher, appelez-moi, j'en veux une. Voilà. Et bah, pardon. Oh là là. Waouh. On est bon, c'est long, mais on est bon. Prends mon temps, mais on avance. La puissance. Et le tisonnier est enfin parti. Oui. Enfin parti, c'est le premier tour. Ouais, mais je veux dire, ça enlève des comparaisons possibles avec le club de golf, avec la bêche. Avec la machine à écrire? Non, pas du tout. Avec le poison aussi, oui. Avec la fiole de poison et le sécateur, oui, bien sûr. Ah, le sécateur, hein, on sait pas trop. Hein. Métal. Même le rapport avec le bois, le tisonnier c'est pour les bûches et le sécateur c'est pour couper des tiges. Ah putain, j'ai raté des images du Sifu et le 3. Merde. Il y a plein d'annonces qui commencent à tomber intéressantes, alors que le 3 officiellement commence demain, je crois. Ouais, il y a tout plein de petites confs. Il y a une, il y en a une notamment tout à l'heure qui était entre autres par MV, il y avait quelques gens intéressants dedans. Par contre, quel rapport avec le rat? Le fruit. Les fruits, jardin. Ou la verdure, hein. Ouais, mais du coup, c'est la bêche ou c'est le cutter? Hein? Bah, y a une pelle quand même sur la première carte. Ouais, mais c'est pourquoi, vu qu'elle a mis une première carte, pourquoi mettre une deuxième dans ce cas-là? Enfin, j'en sais rien, parce que la première, elle était évidente pour la bêche, donc je sais pas. Je partirais plus sur le sécateur dans le cas d'arbre fruitier. Enfin, pardon, sur la bêche dans le cas d'arbre fruitier plutôt qu'un sécateur. Le sécateur, c'est plus pour les petits buissons, les petites plantes. Hein. Oui. Une bêche dans un arbre fruitier? Bah, je sais pas. C'est-à-dire que, la bêche, c'est avant que t'aies des arbres, en fait. Ouais, c'est pour les arbres. Mais en vrai, la première carte, normalement, devrait suffire à elle-même si vous voulez faire deviner la bêche. Oui. Et la deuxième, c'est la deuxième qui est. Et admettons que t'aies une confusion avec le sécateur, je vois pas ce que la deuxième vient faire, en fait. Oui. Je sais pas. Moi, j'espère que Jack est très content de sa carte. Sachant que, du coup, si... En vrai, la deuxième aurait pu suffire à elle-même si c'était la fiole de poison, parce que moi, ça m'aurait évoqué la morora. Et du coup, Jack aurait pas le sécateur par hasard? Bah, je dirais que c'est l'un et l'autre. Hein. Ça se trouve, Endo, il a le club de golf. Non, je pense que dans ce cas, à la rigueur, ce que tu peux dire, effectivement, ça peut être le poison. Le fait qu'en haut, ça soit mort et en bas, ça soit la vie, et que le rat, bah, la morora, donc le poison. Ah ouais, c'est pas faux. Mais par contre, ouais, Spadin, c'est 14%. Non, c'est pas Spadin, le... Jake. Ah oui, non, attends. Ah non, Jake est en dernier. Oui, il fatigue. Ouais, le Jake, c'est le sécateur. Hein. Je pense aussi, ouais, par rapport au reste, je vois pas ce que ça peut être. Ça se trouve, c'est la machine à écrire parce que c'est complètement onirique. Mais toutes les cartes sont oniriques. Oui, non, faut pas se baser là-dessus, hein, à ce compte-là. I'm singing on the rain, under the rain, là, tout ça, quoi. Spadin, il a une carte. Oh là. Enfin, la machine à écrire avec le colis, le livre. Ah ouais. Ouais. D'accord. Pourquoi il y a un arbre dans un glaçon? Parce que c'est onirique. Le livre est une glacière. Il y a écrit le nouveau monde sur le sticker.
Attends, c'est quoi le temple? Un joli morceau de Anton Dvorak, d'ailleurs. J'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit sur le tampon. Ici, Nouveau Monde, sur la truc, et à côté, le tampon, je sais pas. N'était pas, je sais pas. Écrit post office de foi. Ah oui, mais c'est le Nouveau Monde, c'est pas ici, Nouveau Monde. Ah oui, pardon. Ouais. Oh, c'est... De toute façon, c'est la machine à écrire. Je rappelle juste que vous pouvez cliquer sur l'image pour faire des zooms. C'est une machine à écrire, un QWERTY. Le raciste. Elle a des touches qui sont vachement plates quand même, cette machine à écrire. Ah bah c'est une machine à l'ancienne hein. Oh non, pas cette carte. Elle est bien cryptique celle-là. Un hippocampe. Ah oui. Avec des pièces asiatiques. Le poison. La baignoire, récipient, eau... Ouais, j'avoue que t'es pas gâté là. Si Phantom pouvait en donner une deuxième, ce serait pas mal là, je pense. Hein. Il peut pas en donner une deuxième. Ah ouais? Non, non, une fois qu'il a donné des cartes à quelqu'un, le fantôme peut pas en redonner. Ah oui, ça. C'est vrai. C'est pour la bêche quand même. Ah. Je vais vous suivre, mais bon, je suis pas convaincu. J'étais pas convaincu. Ah ouais, mais... et du coup, c'est toi qui as le poison? Ouais. Mais il reste que le club de golf et le poison, donc oui, je pense que j'ai le poison. De toute façon, il reste 3 tours et on a que 2 choix encore. Oui, ou bah, si c'est pas l'un, c'est l'autre, de toute façon. Après, toi, pour le club de golf, je vois vraiment. Ah, c'est la bêche. Pourquoi le club de golf? T'as mis quoi juste avant? Mais je peux pas avoir le poison, moi, en fait. Bah, si. Attends. Qu'est-ce qu'il reste encore? Ah oui, il reste le poison, le club de golf et c'est tout. Conrad, le premier, ouais, c'est Ralga? Oui, c'est Ralga. Ok, juste oui. Avant, t'avais choisi quoi? J'avais choisi le poison. Eh donc, oui, c'est bon, le poison. Et pourquoi le club de golf, du coup? Bah, moi, j'ai soit la bêche, soit le club de golf. Il faut bien. Et je dirais bien que c'est lié à la forme de la paume de douche sur l'image, mais c'est vraiment... Golf, richesse. Oui, c'est pas faux ici. Et le fait que t'aies l'air d'être dans un trou. Après, enfin, que l'hippocampe a l'air d'être dans un trou. Et aussi la croix qui est marquée sous Karik, ça peut faire penser un petit peu au symbole japonais. Ouais. À l'étoile sous la... C'est ouais, chinois d'ailleurs, un peu japonais. Hein. Bah, de toute façon, faut que le fantôme nous donne des cartes déjà. Oui, ça serait bien. Non, c'est japonais ça. Donc c'est pas chinois? Je sais pas. Ah, vous êtes obligé de recevoir des cartes, c'est ça que t'as dit? Oui. Ok. Oui. De toute façon, il nous reste tous les deux 2 choix, donc vu le timer qui nous reste, on va le trouver dans tous les cas. Bien sûr. Mais là, en facile, du coup, t'as pas mal de marge sur le nombre de tentatives, mais quand t'as genre 8 ou 9 choix possibles à chaque étape, tout de suite, tu peux plus trop te le permettre, quoi. C'est sûr. En tout cas, c'est cool, c'est un jeu dynamique. Oui, ouais. C'est vrai. Je suis en galère, là.
Et sinon, chez moi, il y a des abeilles en ce moment. Des quoi? En ce moment, là, depuis aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait un dessin d'abeilles sûrement sous les toits. D'accord. Bah chez moi, j'ai des moustiques. C'est vachement moins bien. Je rappelle juste que j'habite en plein centre-ville, donc dans un endroit où il y a assez peu de verdure quand même. Chez moi, ça va. Une vision. J'ai des bougies. Pourquoi il y a un piège? Pourquoi il y a un escalier? Tuer, poison. Mais c'est, ouais. C'est tout. C'est... Bon, je reste sur le poison parce qu'il y a la notion de mort, mais. C'est la salle de banquet de Poudlard. Oui. Parmi tous les armes. Mais il n'y avait pas de piège à loup dans Harry Potter. 10 points for Gryffondor. Alors je suis sûr que t'en trouvais quelques-uns dans la forêt interdite. Hein. Mais ça piégeait pas que des loups. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Ça prenait des Hagrid. Et pour moi, bah. La bêche plutôt du coup, vu que c'est des arbres, tu joues pas au golf dans la forêt. Hein. Ouais. Alors, cela dit, pourquoi il y a un temple? Mais même. Ça ressemblait plus à un terrain de mini-golf qu'à un truc à bêcher. Alors, ça dit dans le chat par rapport à Harry Potter, pas de piège à loup, pas de piège à loup, il y avait quand même des trolls dans les toilettes, c'est pas beaucoup mieux. C'est vrai. Oui, enfin, le troll, il était amené par le professeur Quirrell, hein, donc bon, les bases n'étaient pas là. Hein. Tu penses que tu vas trouver Ralga ou pas? Ah, je pense que je vais trouver, ouais. Je pense que le fantôme il va me balancer 7 cartes. Pour faire du nettoyage. Bah, là, de toute façon, peu importe les cartes proposées, il te reste qu'un seul choix. Oui, oui, oui. D'où la difficulté. Ah, je peux valider en fait. Ah, bah valide. Bah, ça dépend, est-ce que le fantôme veut me donner les cartes ou pas? Je crois que j'ai entendu oui. Oui, t'as entendu un oui. Un oui de panique. Un oui de fantôme. Oui, un peu. Oui. Voilà, un peu spectral. Je suis en train de réfléchir déjà d'avance à la suite. Il faut. C'est toi qui choisis qui est le vrai assassin? Oui. Ouais. Tu choisis le triptyque que tu veux faire deviner. Ah bah oui, dans ce cas-là. Bon, le fantôme, il a peut-être l'éternité, mais pas nous, quoi. Ok, j'avance. Alors. Alors, j'ai reçu 4 cartes. Je me demande bien que pourquoi le lièvre et la tortue sur le damier, ça me rappelle le golf, mais... Ouais, un parcours. Il y a Cendrillon. Il y a un temps un peu distingué. Ah, on est d'accord qu'elle vient de me donner Cendrillon, alors qu'il y avait dans les choix un carrosse. Oui. Pourquoi? Elle l'a eu après, ça se voit. Bah non, vu qu'elle vient de me le donner, pourquoi elle a... Mais oui, elle l'a eu après, mais pourquoi elle le garde pas pour faire deviner à la fin? Parce qu'elle veut pas faire ce choix-là. Elle a fait un autre choix, hein. Pourquoi je peux pas valider en fait? C'est bizarre ça. C'est bien sur ton personnage? Ah oui, mais allez, de toute façon vous voyez bien le point d'exclamation sur. Oui. Ah oui. C'est bizarre. Alors, on va attendre la fin du temps. Et comme je peux pas. Tu peux pas changer de pour voir les autres écrans de personnage? Bah non, parce que du coup, toutes les autres, mes autres choix sont gris. Ils sont grisés, je peux pas les choisir.
Non, pardon. Quand tu cliques pour voir l'écran d'un autre personnage. Non, ça change rien. Ouais. Je peux les voir, mais ça change rien sur... Ok. Bon, c'est une petite société indépendante. Oui, bien sûr, oui. Alors, ça, c'est pertinent quand on parle de Blizzard. Oui, mais pour le coup, là, c'est vraiment une société. C'est vraiment un petit truc. Il y a Asmodée derrière. C'est Asmodée Digital, mais... Mais Asmodée, c'est pas une boîte qui fait du jeu vidéo. Même si, il y a pas mal de jeux de société qui les ont adaptés en jeu vidéo, quand même. Oui. Oui. Enfin, tu sens que c'est du jeu mobile, quoi. Tourbillon sur les cartes. Oui, tourbillon sur les cartes. Oui. Oh mon dieu! C'était d'où cette carte-là? C'était vraiment dur. C'était difficile. Et maintenant, le fantôme, comme il a réfléchi au trio qu'il allait faire deviner, on va recevoir des cartes tout de suite. Lol. T'as cru, toi? T'as cru que ça allait être fluide et tout? Que j'allais gagner en fluidité sur la fin? Que j'avais anticipé la fin? Oui! Bien sûr, j'ai tout anticipé, moi. J'entends des voix. Combien t'es médium? Donc c'est plutôt ton métier? Ah oui. Je lis l'avenir dans la boule de cristal. Stahl ! Il est à Nora. Je crois que je pige rien du tout. Bah là, en fait, il y a eu une phase où on devait déterminer ce qui nous semblait être des suspects, sachant qu'on peut, enfin, c'est à chacun à son propre suspect, dans son propre lieu, avec son propre objet. Maintenant, on a toutes les hypothèses des choix de chacun. Le fantôme va être « Ah oui, je me rappelle, c'est ce truc-là qui s'est passé. » Et le fantôme va nous donner des cartes. Et il va falloir qu'on choisisse dans chacun d'un autre coin ce qui semble être le plus probable en rapport avec les cartes des fantômes, si j'ai bien suivi. Et l'idée, c'est qu'on arrive à tous tomber d'accord ou à la majorité. Mais en vrai, Eleanora, ça va, le jeu, il n'est pas si compliqué que ça en termes de gameplay, de compréhension de jeu. Ce qui est dur, c'est vraiment comme sur Codename, c'est réfléchir à comment réfléchit le fantôme. Le plus dur, c'est pas le jeu, c'est les coéquipiers. Voilà. Je pensais que vous deviez résoudre un crime. En fait, t'as deux parties sur le jeu. T'as une partie où chacun doit retrouver son scénario potentiel. Et après, faut trouver le véritable scénario par rapport aux trois derniers indices que va donner le fantôme. Et on doit effectivement résoudre un crime parce que dans l'histoire du jeu, on est des médiums et c'est le fantôme qui communique avec nous et qui doit nous dire comment il est mort. Mais de toute façon, l'important c'est pas les cartes, c'est ce qu'on en fait. C'est une pub pour quoi déjà ça? Pierre. Winamax. Ah oui, c'est vrai. C'est Patoche. Oui. Ah oui, c'est Patrick! Il reste peu de temps au fantôme. Il se passe quoi du coup si le fantôme nous met trop de temps? On a perdu certainement. On a perdu. Ou ça te donne peut-être 3 cartes au pif. Ce qui serait encore pire. Mais... Finalement, je compterais pas, hein, mais. Ok, donc il y a 4 minutes sur cette section. Allez, Nino. Ah! Vous avez reçu de la vision. C'est dur. J'ai une vision. Bon bah, je pense ça.
Bon, je suis mute Discord normalement. Ok. Donc là, la partie, c'est le fantôme vient de nous donner des cartes. Il faut vraiment qu'on trouve ce qui nous semble être le plus pertinent en termes de si vous comprenez non rien, plus c'est suspect, normal. Mais coupable. Ça a une certaine logique quand même quand je les regarde. Donc parmi toutes les suppositions, sachant qu'une supposition c'est une ligne horizontale, hein. Parmi toutes les suppositions, laquelle allez, correspond le mieux à toutes les cartes. J'ai tendu un désir entre deux. Ce qui me perturbe, c'est la carte du milieu là, c'est celle-là. Il n'y a pas de cuisine, c'est vraiment le seul meuble. Ça par rapport à la fleuriste, ça par rapport au sécateur. Ça je sais pas trop, meuble. Mais là il y a le chevalier qui me dérange et qui est en train, il est en train d'entailler la tour. On n'a que des personnages féminins. Pourquoi le reste ne pourrait, je vois pas en quoi ça pourrait correspondre en fait. Pas. Je partirai sur la fleuriste, mais le je suis en train de m'embrouiller, ça y est. Le chevalier là, il entaille quand même la tour. Eh ben, c'était, derrière, c'était il, galère. Hein. Derrière, il démonte c'était, la tour. C'est pas évident comme jeu, quand t'es le fantôme. Et là, le meuble. Attends, il nous reste encore une chance de nous tromper. Je sais pas. C'est vrai. Et pas fini encore. Oui, mais bon. Mais pour le fantôme, c'est fini. Oui, en tout cas, oui. Oh oui, allez à Jacques Test et tout le temps. C'est pas fini. Ouais, je peux encore changer de choix si je veux. Il y en a quand même qui veulent peut-être comprendre la logique à la fin. Parce que oui, il y a une logique. Je vais partir sur ça. J'ai eu peur. C'est assez à propos que la jardinière est tuée avec le sécateur. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça tombait bien. Du coup, la logique, bah le jardin, voilà, c'était pas le golf. Hein. Je sais que ça allait à confusion avec le golf, c'est pour ça que ça m'arrangeait pas, mais j'avais pas mieux. Le fait de l'épée couper, et puis même, ça donne l'impression qu'il va couper la tour, donc sécateur. Et la dernière carte qui est un peu par défaut, la carte de la table avec la lumière, c'était pour le salon avec le lampadaire pour la lumière et la chaise, le fait d'être assis pour le tabouret. Ok. Bon, je pensais vraiment que c'était plus parti du coup plus pour le noble. Je pensais tu vois le chevalier, il est noble et tout, voilà. Ouais, mais c'était pas évident. La dernière carte avec les haies, je pensais plus du tout avec plus que du coup au golf et à la forêt creepy à la fois. Ouais. Donc, voilà. Alors. Non, j'ai pas de problème. C'était pas évident. J'ai pas forcément la logique pour tout, on va dire. Alors, on a gagné donc. Ouais. J'ai une question. Est-ce qu'on en refait une et qui fait le fantôme? Je veux bien tenter un fantôme. Moi. Jake, le fantôme. Jake, le fantôme. Ouais. Retour à Chantal Lobby. La partie est créée. Et mettez-vous en médium. Sauf Jean. Je vais pas tenter une petite clairvoyance. C'est quoi clairvoyance? C'est ce qui fait que tu vas avoir plus ou... c'est ce qui fait que tu vas avoir plus ou moins de cartes à la fin. En fait, t'as des petits jetons pour lesquels il faut que tu mettes sur tes ah ouais, non, sur okay. tes collègues pour dire si tu penses non. qu'ils ont faux ou raison. Non, c'est trop chiant. D'accord. Ah, c'est vrai que t'as cette mécanique là. Ça crée une petite oui. mécanique en plus sur le jeu. Mm. Non, pour commencer, pour un premier soir, on reste sur du basique. Je pense que c'est le mieux. Alors, ton interface, Jack, quand tu sélectionnes un joueur, tu as un espèce de cachet qui te dit quelle carte lui est attribuée. D'accord. Je pense que tu le vois. Oui. À droite, tu as 7 cartes vision plus un bouton validé. Oui. Et pour affecter des cartes vision à un joueur, tu les fais glisser de la partie à droite sur la
sur la grande carte à gauche. Et tu valides. La grande carte qui correspond au personnage. C'est ça. D'accord, ok. Et si tu veux utiliser un corbeau, tu cliques sur le corbeau à droite et D'accord. ça te dit sélectionner les cartes que vous voulez virer. D'accord. Je vous laisse lire, il y a une question d'Eleanora si vous voulez y répondre. Elle est intéressante. Oui, c'est qu'on va voir ton interface. Je vous lis la question d'Eleanora. Mais les séries de scénarios à la fin, c'était les hypothèses construites dans les phrases précédentes, point d'interrogation. Oui. C'est le jeu qui fait pour chaque médium, lui donne un assassin, un lieu et un objet à faire deviner. Donc ça fait un triptyque par médium. Et à la fin, le fantôme choisit l'un des triptyques à faire deviner. Combien de cartes tu peux donner maximum par joueur? Jusqu'à la fin de ta main, non? Tu peux en donner 7 si tu veux. Tu peux donner les 7 cartes si tu veux. C'est contre-indiqué, mais... Sachant qu'une fois que tu as donné des cartes, tu ne peux pas en redonner avant le tour d'après. Okay. À cette personne. Et salut Nostralix. Bonsoir. Et évidemment, les cartes que tu donnes sont ensuite remplacées automatiquement par de nouvelles cartes, etc. etc. Mmh. Tu as toujours 7 cartes vision dans tes choix possibles à droite. Ok. Bon. Je suis mute. Oui. Je suis mute. Alors. Là, pour personnage bleu, son suspect à lui serait ce docteur qui a l'air un peu creepy. Là, j'ai un ancien soldat français, britannique. Alors lui, ça m'a rien qui m'intéresse là-dedans. Là, il y a quelqu'un qui fait la course. Voiture, course. Ça peut être un volant. On va partir sur lui, je pense. Là, on a un cuistot. Ah, cuistot, cuisine. Ah. J'ai une question. Oui. Quand je donne des cartes, est-ce que les cartes que je garde dans ma main, je les garde et je peux les donner ensuite à quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Voilà, elles repartent pas. Ok, d'accord, c'est ma question. Ouais. Tu donnes 4 cartes à un joueur, tu as automatiquement ces 4 cartes qui sont remplacées par d'autres, mais tu gardes les 3 autres. Oui, voilà, ok, d'accord, très bien. Et quand tu utilises ton corbeau, tu choisis les cartes que tu veux relancer. D'accord, ok. Ça relance pas les 7. D'accord, très bien. Ok, je te remute. Alors, on va par exemple, au moment, la partie où j'étais fantôme, j'ai utilisé quelques corbeaux sur certains tours, mais j'ai gardé une carte précisément en me disant si jamais je sais plus qui a tel lieu, cette carte là elle est évidente pour tel lieu. Évidemment, c'était le seul lieu qui n'était pas utilisé. Évidemment. Ok. Évidemment. Très bien. Alors, on va commencer par jaune. Je crois que j'avais une carte avec une cage qui correspondait, ou une cloche en vert qui correspondait exactement au salon avec le phonographe. Le cuistot. Le cuistot. Qui? Moi, je suis toujours le noir. En jaune. Ok. J'ai une vision. Et B. Et B. Bon, je pense que c'est qui en gris? C'est Atradin? C'est moi. C'est moi en gris. Toi. Bah, t'as le cuisinier, la marmite. Ça, ça fait très glaçon de whisky quand même. Chercher plus loin. Ça fait très glaçon. Par contre, en bleu. Mais moi, je suis en orange. Ah non, bah c'était qui est en jaune? Y'a pas de fleur. On m'entend pas? Ça fait très glaçon de whisky. Ok. On va voir. Je dirais que ça rappelle le volant. Ouais, du pilote de course. Du pilote. J'aurais dit la médaille du pilote. Non, ouais, mais bon, lui, je sais pas. Ou la roue de la voiture du pilote, mais dans tous les cas, on arrive au pilote. Oui. Et là, je sais pas trop. Il y a les chaînes aussi. Les chaînes, c'est peut-être penser un petit peu à la chaîne de la montre à gousset du pilote. Je pense qu'il y a la montre à gousset. En tout cas, ce qui est en or, c'est soit la montre à gousset, soit la médaille. Attends, faut penser comme Jake. Voyage. Pas penser simple. Faut surpenser. Je vous ai entendu. Je suis mute pour réfléchir à votre stream, mais je vous ai entendu.
je pense que c'est le truc. Du coup, si c'est une médaille, ça peut être la médaille du militaire aussi. Oh. Alors attendez. On n'est pas rendu. Il y a des notions de divinité. Ah mais je vais réfléchir avec eux, il faut pas, faut pas. Moi, faut que je réfléchisse dans mon coin. Si tu penses comme Jake, tu vois coffre, richesse, potentiellement le noble. C'est vrai. D'où le noble. Ouais. Bon perso, je partirais quand même sur le pilote de course. Le noble, il va avoir les glaçons. Je pense que Jake est en train de vous insulter sur le live actuellement. Non, je réfléchis. Oui. Ah, non. Le noble, il a été donné au dernier joueur. Hein? Pourquoi? Toi, tu voyages. Les glaçons. Mais c'est pas des glaçons, c'est des fleurs. Si, c'est clairement des glaçons. Oui. Si. Enfin, je peux pas glaçons. Vous le dire, les copains, mais c'est des garçons. Je des garçons, c'est des pas glaçons. Tellement glaçons. Hein. Si. C'est un peu cristallisé, oui, mais... bon, ok, admettons, t'as un truc en verre. Ça ressemble à quoi? Lui, je sais pas, j'ai envie de lui donner ça. Des glaçons? Le voyage, le train, le voyage. Ou un verre avec des glaçons dedans. Toi, y'a rien qui correspond, quoi. Ah, ici, les 25 euros du médecin. En vrai, correspond. De toute façon, concrètement, on peut voir quoi? C'est des fleurs en cristal, on va dire. Ouais. Ça correspond à rien. C'est pas le pititaire. Ça non plus, non, c'est si, pas la mort, mais... le noble quand même. La mort, la guerre. Il y a même le livre qui écrit la chasse au météore, dessus t'as des petites fleurs et la tout. La potion bizarre. Ouais, c'est vrai, je pense que ça c'est une potion. Qu'il y avait un livre. Bizarre. Ouais. Parce que moi ça me fait j'ai envie de reroll ça. Livre, mais oui, du coup, t'as raison, il y a même un livre chez le noble. Donc, Sur le noble. Pour l'instant, du moins. Choisissez les cartes que vous voulez changer. Je vais changer ça. Ça. Et ça. Ah, voilà. Là, on est déjà plus quelque chose dans de la guerre, là. Attendez. La guerre, le voyage. Est-ce que ça passe à juste guerre et voyage? Voyage. Il a beaucoup voyagé. Train. Mais il est quand même soldat, donc... Je vais lui mettre que ça, on va voir. On va lui mettre que ça pour le moment. Et toi, le médecin. Le médecin. Le médecin. On a quand même une magnifique montre à cousser sur l'arbre. Ça. Oui. Ça, c'est le médecin. Oui, oui. C'est un masque de médecin, ça. Donc c'est on qui lui en donner... bleu. On va lui donner ça, la potion. Désolé, si c'est pas le noble. Je quitte cette partie. Mais du coup, moi, c'est quoi? On va voir comment et il moi, va. Et moi, j'ai le poisson lanterne. Et le fantôme sur le toit. Le gardien, je pense, pour toi, Ralga, du coup. Oui, la lanterne. Ouais. Attends, c'est quoi à côté après? Il s'est planté. Non, il y en a deux qui ont choisi le noble, là. Faut qu'il y en a qui changent. Non, mais c'est pas grave. Au pire, ça... On aura vu que le bleu ce sera pas le noble, et puis voilà où ça se trouve, les fleurs c'est totalement autre chose. Jaune. On sait pas. J'en ai bon. Les fleurs c'était par rapport à la médecine, je sais pas, le médecin. C'est vraiment très capillotracté là. Du coup, je peux pas revoir les cartes que je leur ai données. Ah si, là du peut-être. Du coup, la fleur ça serait du coup, soit le militaire, soit le médecin. Mais pourquoi? C'est chaud. Je sais pas, le télescope qui évoquerait pour le deuxième, le télescope qui évoquerait la loupiote du médecin ou la seringue, j'en sais rien. Attends, pardon, je n'ai pas le gardien. Il n'y a pas le gardien, Ralga. Mais te. Mais du coup, moi j'étais bon, du coup. Il faut qu'il regarde bien ses cartes. Alors attends, du coup j'ai une loupiote et un mec sur un toit. Ça regarde le mec justement. Ah mais regarde la tronche du mec sur le toit, il a un masque de médecin de peste. Voilà, c'est bien. Mais quel rapport avec le premier épisode? Ah parce que il y a une lampe le médecin. Ah. Ça, il y a pas de lampe sur le médecin. Si, il y a la torche. Attends. Qu'est-ce que c'est un truc pour les réflexes que tu tapes sur le genou. Putain, c'est un putain de marteau. Oui, mais ça ressemble vachement à une lampe quand même. Ça ressemble à une lampe. Ouais. À la base, je pensais que c'était plus une fiole. Hein, mais... Et après, en cherchant la lampe, c'est quand même un récipient avec du liquide comme la seringue. Hein. On peut aller là aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas une pierre incandescente. Ah, vous avez pas la lumière à tous les étages ou non alors... plus. Hein.
Ou alors c'est tout ce qui est relatif à la mort et du coup c'est le militaire. Non. Et du coup... Parce que le militaire, je lui ai donné ça. C'est chaud. Ah mais je dois leur donner des cartes, pardon, alors, excusez-moi. Du coup... Excusez-moi, je viens d'apter que je dois vous donner des cartes, pardon. Ah oui, s'il vous plaît. Mais ma parole, c'est... vous êtes ivre. Alors, c'est par contre, la montre, à... la montre à gousset n'était pas pour le noble, je quitte cette partie. Bah non, mais évidemment qu'elle n'était pas pour le noble, vu que le noble, c'était les glaçons. Il y a autre chose qu'il faut voir dans cette carte. J'ai aucune idée de quoi, hein, mais il y a autre chose à voir. Peut-être la montre ferait penser à la médaille. La guerre. Je sais pas. Ouais, ça, c'est la guerre. Ouais. Vite fait alors. Qu'est-ce qu'on a sur le. Ah, t'as fait une carte. Toi, médecin. Un dragon. Bah, c'est le soldat. T'as le soldat derrière. C'est surtout le soldat en armure derrière, ouais. Ouais, je pense. Que... Mais alors, la notion de militaire sur la première carte. Ou alors, c'était. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Faut voir les trains et la carte pour les déplacements, non ? Non, le télescope pour le monocle. Ah, ah. Ouais. C'est les deux, hein. Ouais, ah, tiens. C'est le train pour le voyage aussi, il y a une carte quand même. Qu'est-ce que je vais donner au médecin en plus ? Y'a rien. Non, c'est la flamme pour la cautérisation, c'est donc le médecin. Non. Sans le rôle. Sans Paul Roll. Alors, en toute amitié, ça aussi. Ta gueule. Bon, qu'est-ce qu'on a en lieu au bordel ? Ouais, en lieu, on a quoi ? Attends, y'a déjà un corbeau qui est parti ? Oui. Le piano, la rien d'intéressant pour le médecin. Là. La chambre d'enfant, la baignée. Le médecin, ça, ma peste. Et... Hop, tac. Ouais, le salon aquatique, on va dire. La cheminée. Et... Non. Ouais, bon, le masque qui évoque le médecin de peste. Oui, bah, de toute façon, en fait, moi j'ai le choix entre le militaire et le médecin, donc. Là, clairement, ils peuvent pas se tromper. Est-ce qu'il y a encore une lanterne ? En fait, tu vois, non, mais tu vois, là, sur la lanterne, t'as la croix comme sur le drapeau du militaire. Oh, punaise. Tu vas trop loin. D'ailleurs, le militaire, ça me fait bizarre parce qu'il a quand même un drapeau écossais puis une médaille française. Ouais, mais regarde son écharpe. Oui, mais tu sais, c'est le drapeau écossais, c'est les forces opposantes écossaises. Il voit pas qu'il y a une grande... La fameuse guerre contre l'Écosse, souviens-toi. Une map de avec des trajets, ouais, trajets voyages, trains, rails. La France s'est battue contre l'Écosse. Voilà, ouais. Tu vois, la guerre de 1838. La fameuse. Ouais, le masque de peste. Sachant que globalement, les Écossais, ils étaient plutôt contre les Anglais, et donc être contre les Anglais, c'est être allié aux Français, par principe. Eh ben, c'était peut-être simplement, tu vois, un pion pour marquer les troupes alliées des Écossais. Je rappelle que justement, l'époque actuellement du jeu, c'est plutôt début du XXe siècle. Hein. Bah, il y a des automobiles. Ah, mais il y a eux que je dois donner aussi, pardon. Oh là là, j'apprends le jeu. 1900 quelque chose. Non, 1910, pardon. Pour être précis. Ah, c'est daté. Donc là, faut que je donne dans des le lieux. Histoire, oui. Tu es en septembre 1910. Oh là là, excusez-moi. J'espère que tu te trompes pas, parce que si c'est en octobre 1910. Purée, j'ai enlevé les notes de musique. Ouais, enfin bref, c'est okay. Fin d'été, début automne. La mort. Il y a quoi là-dedans, et puis voilà. Tac, allez. D'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, qu'avant, c'était un moment, t'arrives forcément sur le 31 octobre 1910. Ah bon, t'arrives pas au 31 décembre 1910 ? Nul. Ensuite, piano. Piano, poésie. Alors, ça, qu'est-ce qu'il a en jaune, c'est Nino. Piano, il n'y a rien pour piano, là. Alors, et toi ? Ah, les étoiles, moi je pensais à la crypte, au côté un peu morbide. Là, on a. Ouais, du coup, la forme des animaux morts. Ah, j'aurais pas dû re-roll les cartes d'avant, je suis deg. La crypte, c'est vachement fermé. Là, ça m'embête. Et j'ai plus de corbeau. Après, se baser sur le fait que ce soit vachement morbide, quand purée. Un tiers des cartes, c'est des cartes morbides, je pense pas que ce soit très utile. Cheminée, non, feu. C'est pas morbide, c'est onirique. Cheminée, feu. Toi, ok, je pars dessus. Cheminée, feu, métal. Enfin, pour l'instant, à voir ce que... Ça reste le premier choix. On va partir d'abord sur ça, là on est sur la poésie. Sur la poésie du voyage. Oh là là, c'est compliqué. On va faire ça. J'ai reçu voilà. Une vision. Là, oula. Oh, j'ai la chambre d'enfant. Ouais, je pense à Kitty, comme ça.
feu métal. Je sais pas, mais la deuxième feu carte. Métal. Ah, le côté. Feu métal. Oui, oui, le côté coloré. Allez. Salon, piano vert, le vert me fait penser au vert des tables. En vrai, je pense que même la deuxième seule aurait suffi, je pense. Nous avons quelque chose de mécanique. Métallique. Mécanique et métallique. Voilà, ce serait la baignoire. La crypte. Le métal et les braises. Et ouais, je suis peut-être plus quand même sur la crypte parce qu'il y a des anges et tout. Ouais, moi je peux plus la crypte, ouais. Et c'est pas que du métal, on dirait qu'il y a un peu des cailloux aussi, et l'ange est manifestement en pierre. Ouais, non, et puis la braise correspond pas du coup à la baignoire. Ouais, je pleure plus sur la crypte. Allez, hop. Ah! Et ben non! Essayez encore! C'est tout fou! Ce n'était donc pas les toits pour Nino. Ouais. Oh, c'est la crypte, c'est bien. Mais on n'a pas pensé comme Jake aussi. Ah oui, c'est pas ça. On a été trop rationnel. On a été trop direct. C'est compliqué d'être rationnel sur ce jeu quand même. De nous insulter là actuellement. Non, je réfléchis. Après, du coup, en jaune, c'est le crâne qui représenterait la mort. Bah, c'est ça. Du coup, c'est la crypte sur le côté morbide. Ah, la forme du bâtiment rappelle un peu la forme de l'alcôve où il y a l'ange. Il n'y a rien qui est intéressant là-dedans. Pas, c'est un peu, c'est ça. Je comprends pas ta vision. Ouais. Là, la baignoire me gêne. Là, pour moi, mécanique, ça me ferait penser au piano. La baignoire, on va le rapport avec les anges dans le château en feu. Ah, bah, j'ai pas dit qu'il y avait une logique pour toutes les cartes non plus, mais. Ensuite, chambre d'enfant. Une dame qui part en voyage. Un pont. De l'eau. La chambre d'enfant. Pourquoi? La poupée. Ouais, la poupée. La femme et la poupée. Et pourquoi j'aurais pas la baignoire juste avec le fait qu'il y a de l'eau? Quelle poupée? La poupée de la chambre d'enfant. Parce que justement, je pensais qu'il y ait de l'eau. Oh non. Moi, je pense que ça fait pareil. Non mais qu'est-ce que je fais? Je pense pas comme Jake là. Pas bon. Ah non, t'as raison, la baignoire c'est noir. Ouais, c'est ce que je dirais aussi. Ouais, la baignoire c'est noir. Du coup, bleu ça serait la chambre d'enfant. La baignoire c'est le noir. Bah parce que les deux cartes t'as le bocal d'eau un peu on peut dire. Et la deuxième c'est clairement une poupée sous l'eau. Ah oui, elle est sous l'eau, d'accord. Mais c'est quoi ces cartes, sérieux? Ou alors, c'est la chambre d'enfant, parce qu'en effet, c'est une poupée, et à côté, c'est des trucs mignons. Voilà, y'a rien dans les cartes, dans les cartes. Il peut y avoir deux chambres d'enfants, du coup. Il y a l'espadon, du coup, espadon, baleine. L'un à l'un et l'autre à l'autre. Le problème, c'est que les deux peuvent être la baignoire et les deux peuvent être la chambre d'enfant, merde. Espadon, baleine. En espadon, tu pars plus sur le narval, du coup. Non, c'est. Ah. Narwhals, on montre la femme de chambre d'enfant. Qu'est-ce que tu fais avec une baleine et des zeppelins chambre d'enfant? Bah avec la baleine, je t'aurais dit l'espadon. Bon là, à la chambre d'enfant, j'ai donné des cartes. J'ai donné la poupée. Il y a du métal. J'ai deviné les trucs mignons là. Il a tenté de faire deviner la cheminée, en fait. Oui. Ouais. Oui. Avec le côté enflammé. Bon, mais là, j'ai distribué des cartes. Ouais. Donc, c'est bien, ils ont compris que pour la cheminée. Le métal, du coup ? Il y a le métal, la le grille, feu et la baleine. La grille devant la cheminée, en fait. C'est bien, ils ont compris. Ah ouais, c'est tordu là. Hein. Oui, bah, c'est les mêmes notions qu'on a en fait. On a pris les mêmes notions sur la crypte au final. Pause, pourquoi ça serait pas les toits ? Il y a une cheminée aussi sur les toits. Oh putain. Ok, les toits ils sont pas très métalliques. Là j'ai la crypte. La crypte, j'avais donné un truc de mort. Si c'était les toits, il y aurait que la deuxième carte, je pense. Moi je pose ça là. Il me reste le piano et la crypte, mais pas là. Avec les baleines et les éplins. Le ciel. Ouais. On va virer ça, je pose ça là. Non, mais j'aime bien moi mon narval. On va virer ça, on va voir. Bon, donc moi j'ai la crypte. Oh purée. Je pense. Bon, t'as pas reçu ta carte encore. Ouais, alors si c'est pas. Ah, mais attendez.
Là, je voulais mettre l'orgue pour la crypte, mais en fait, il y a un piano à côté, quoi. La tour avec la barre horizontale. J'ai qui comprend ce que je ressentais quand c'était à moi. Dans son ensemble, on dirait une stèle chrétienne. Ah, mais je l'ai enlevé du coup. On n'est pas sur le live, mais je pense qu'on se fait insulter là actuellement. Je vous insulte. Il y a Eleanora en plus qui doit dire des trucs genre « Mais si, c'est évident, là, pourquoi il pense pas Wanto ? Mais bon, il est complètement con. » Piano, piano. Le truc, c'est orgue. Là, l'orgue, il m'embête. Tu t'es appelé toi-même Wanto, c'est un pseudo que les gens ils connaissent pas ici. C'est pas grave. Wanto, j'ai cru que tu avais dit Ando. Non, non, non. Mais c'est parce qu'Elea, il me connaît d'Evenline à la base, donc forcément, c'est mon pseudo de là-bas qui va rentrer. Faut que je donne le piano. Faut que je donne le piano, je vais mettre quoi. Rassurez-vous, monsieur Endo. Il est contre vous. Il est pas gentil. Et Eleanora, non plus, normalement. C'est une facette. C'est quoi qui reste dans les trucs là ? Il reste une chambre d'enfant, une baignoire, une cheminée, des toits. C'est pas vrai, il est pas mignon. Je sais bien que mardi, je vous ai un petit peu mis la honte pendant le stop-out, mais bon. Non, mais c'est pas. C'est pas. Au bout d'un moment, on s'y habitue. Bon, bah là, il y a une vision. Oh mon dieu, je n'avais jamais vu cette carte. Elle est jolie, je trouve. Oh, si, quand même. Elle est plus là. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté un peu démoniaque avec les. Bon, j'ai aucune foutue idée, par contre, de. Non, Nino, je pense que c'est l'ange, clairement. Je vais attendre qu'il valide là, et après, je vais mettre le piano. Ah, je voyais pas. Il y a un côté couleur. C'est la crypte avec la première, je pense. Je reste dessus. Elle reste sur la crypte, ok. Dans ce cas. Il ne manque plus que le blanc. Par contre, pour le bleu, ouais, du coup, il y a deux personnes qui ont choisi la baignoire, la salle de bain. Je reste persuadé que pour le il bleu, reste quoi là-dedans d'enfant. Je suis d'accord avec toi. Putain, il y a le salon, j'ai pas mis le livre et le courrier. Mais l'orgue, ouais, mais l'orgue, ça peut faire penser à la baignoire, alléluia. Après, le truc, c'est que dans... Il a le bocal avec de la flotte et il a éventuellement pour pas confondre. On va dire que c'est des partitions. On peut dire que c'est des partitions. Il a la marionnette pour les statues. Et pourquoi le noir, il aurait pas les espèces de bestioles dans le bocal qui rappellent la peluche ? C'est ça en fait, ça le rappelle de la peluche et ça le rappelle de la poupée. Ouais, c'est vrai que les deux se défendent. Le lien est plus vite fait, attends, qu'est-ce que j'ai moi ? Je sais pas. J'ai un avion en papier et un orgue. Un orgue ? Un orgue, piano ? Piano, ouais. Ah, alors le vert, la carte verte, c'est pour le côté vert. Oui. Ah, d'accord, il a voulu tenter de me faire deviner l'ananas sur le piano. C'est pas un ananas. C'est un chardon. Mais en fait, quand tu envoies une carte, quand j'envoie une carte, elle est vraiment envoyée à une personne. Mais dans ma main, je dois toujours avoir cette carte. Donc ça me redonne des cartes pour que je puisse en renvoyer à quelqu'un d'autre, etc. Parce que j'accepte. Attends. Ah, où j'ai les. Si, de toute façon, vu l'ensemble. Alors, j'ai un truc avec du vert. Parce que sur les quatre cartes, il m'a filé deux vertes. L'orgue pour le piano, ça semble obvious, mais alors du coup, la carte avec les fruits étoiles. Inspiration, la musique, la poésie. Les dessins de la tapisserie. Ouais. Je vais partir sur la salle du piano. C'est pas non plus. Yes. Nickel. Du coup, j'avais bien j'avais switché, et j'avais bien la chambre d'enfant, du coup, avec le. Ouais. Avec les peluches, les mini peluches dans le bocal et la marionnette. Ok, alors. Toi. Tu as la seringue. Seringue. Ah, okay. De la bêche. Seringue. Bon, on fait pierre. Quelqu'un avec un tampon. En tapant fort. Alors là, il y a une seringue. Toi, c'est un tabouret. C'est quoi ? Tabouret. C'est quoi quoi ? C'est quoi la ref là ? Je vais te tamponner c'est machin. Le dernier épisode de la saison 2 de Service de la France. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de marteaux dans purée, le crâne. Oh là là là. Seringue, tu mets un poison dedans. Là, il prend une baffe. Mais j'ai rien du tout là. Le tabouret, tu frappes fort. La poêle, c'est ce que j'utilise. Un marteau. Il sait que ça marche. Et la bêche, je pense que ça t'écrase. Là, il y a des marteaux. Là, il y a des marteaux sur ça. Et le tampon. Et là, il y a une bêche. On va mettre le marteau. Ouais, tu t'en. Regarde, il y a plein de marteaux. Là, on peut pas rater. Il y a que des marteaux. Hop, tac. Ou alors, tu le mets dans l'autre sens ailleurs, mais c'est un peu bizarre. Ah. Ouais, mais ça tue pas quelqu'un. On va voir comment il réagit. Ça dépend la taille et la proportion. Alors, clairement, du marteau.
Le marteau, parce qu'il y a quand même, c'est quand même une plantation de marteau, la carte. Ok. Il part. Et là, Jack, il doit dire, merde, il y a des marteaux sur non, cette non, carte. Non, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Enfin, cela dit, on n'a pas de carte avec un arbre, ou alors peut-être le tabouret, on n'a pas de carte avec une cage. La bêche, ça va. Il n'y a pas de carte avec un chat. Bêche. Ah, t'as l'herbe avec la bêche, mais c'est faut aller un peu plus loin. Ouais, c'est faut aller bêche. Vachement loin. Ouais. Ah non, mais t'as le serpent, c'était évidemment la seringue avec le poison. Bêche. Non, le bêche, serpent qui mange avec la poêle. Ah bah oui, évidemment. Bah oui, bêche, oui, bon son. C'est bon son, bien sûr. Oh, la bêche, oh, c'est rouge, moi je dirais. Ouais. Pour moi, la bêche. Oui. Ouais. Ok. Bien. Maintenant, j'ai un tampon, mais le tampon, il m'embête. Rouge, quoi. Évidemment, le tampon. Vous ne connaissez pas le tampon avec cette carte ? Bien sûr. Le tampon, là, j'ai rien avec le tampon. C'est vrai, le tampon, il doit être assez horrible à faire de vie. Il y a une poêle en plein milieu, quoi. Oui. Qu'est-ce que j'ai avec le tampon ? Si, genre avec, je sais pas, un truc où t'aurais des bouquins ou des lettres, des enveloppes. Il y a écrit Warwick, il joue même pas League of Legends. Ouais. On n'a pas la machine à écrire, donc c'est bon. Tabouret. Ah, parce qu'on en a pas parlé. Mais le club de golf, quelle horreur à faire deviner. Y a rien, y a rien, j'ai rien pour personne. J'ai rien pour personne. Un long bout de bois avec un truc buté des cobous, il y en a beaucoup en fait. Le tampon au pire, la carte en haut à droite, couleur encre. Ça là. C'était extrêmement précis penses, comme objet un club de golf. Quand t'es à côté, t'as une bêche, enfin pour l'encre. Je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Hein. Ça me. Là, j'ai juste envie de reroll toutes les cartes en fait. Mais bon, il y a un trésor, il y a une porte, bois. Alors, pas un corbeau encore. Hein. Comme l'encre de sèche. Bravo. Je vais complètement utiliser un corbeau en effet. Que là, une seringue. Je vais roller les 7 cartes au secours. Ça, on s'en fout. Ça, je vais le garder. Ça me parle pas. J'enlève 6 cartes. Oh, tabouret, chaise. Chaise, tabouret, hop là, tac. Seringue. Et là, il y a un piano. Alors, un piano, faut le garder. T-A-B-O-U-R-E-T. Ouais. Il reste qui ? Il reste la seringue. Ah oui. Seringue oui. Et tampon. Oh, oui, seringue et tampon. Seringue. J'ai eu un corbeau et la carte, elle est partie direct. Tampon, encre. Encre, peinture. Ou alors et là il y a des lettres là. Là il y a des lettres. La seringue qui est en verre. Ouais, ou je pense au marteau qui casse le verre ou mais la du coup poêle, la seringue, qu'est-ce que comment je verre. Fais deviner la seringue oui, tampon parce que tu peux taper tu peux aussi casser avant. Comment je fais deviner la seringue le, comme ça, bon, le tampon, le tampon on peut mettre ça, les lettres. Puis sur la et tête, la peinture, allez, tac, carton, peinture, lettres. Ça pourrait être le tampon aussi pour le carton. Et puis un coup de bêche mal placé dans l'ampoule. Ah, alors. Tampon. Tampon, ouais, l'encre. T'as une enveloppe sur la. Ah, il y a l'enveloppe, oui. Sur la tortue. Sur et t'as la notion de peinture sur la deuxième carte, d'encre, de ce que tu veux. Tampon. Pour éviter de mettre la poêle parce que t'as du métal. Oui. J'ai rien pour la seringue, j'ai rien du tout. La carte bon, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est absolument pas ça, mais... Oui, voilà. Ah ouais, c'est hyper capitulatif, mais ça fait très penser aux enfants aussi. Coup, j'ai vu qu'il y avait... Seringue, après, l'idée, c'est de garder toi, des trucs pour après, quoi. Ça va, c'est deux trucs assez différents. Et là, Jake se dit, merde, faut que je fasse autre chose qu'une poêle et une seringue pour être sûr qu'il ne choisisse pas ça. Ah non, non, partez sur ça, c'est très bien. Mais là... Attends. Là, par déduction, il reste la poêle, le tabouret. Ils ont compris le marteau, ils ont compris la bêche, ils ont compris le tabouret, ils ont compris le tampon. La poêle, ça pour peut pas être la poêle. Le gouvernement vient d'autoriser les gens qui sont à Roland-Garros de rester pour la fin du match Nadal-Djokovic. Même si le couvre-feu est effectif depuis 11 minutes.
Parce que, accessoirement, Djokovic mène 2-7 à 1 face à Nadal, ce qui n'arrive pas souvent à Roland-Garros. C'est la seringue, je pense. C'est pas la poêle. C'est pas la poêle. Enfin, pourquoi la seringue ? Il y a des serpents, la médecine. Ah bon, il y a des serpents. Même poison. Oula. Moi, je pense que t'as plus vite fait de voir une lampe avec du verre et qui rappellerait le verre de la seringue. En tout cas, ça pourrait être la seringue, quoi. Ouais, c'est... J'ai rien d'autre pour vous faire trouver la seringue. Mardi de et si ça se trouve, c'est le tampon. Si ça se trouve, il y en a un peu. Voilà. C'est bien. Question, Jack, du coup, c'était par rapport au serpent ou par rapport au verre de la lampe ? Par rapport au fait que les autres cartes n'inspiraient pas. Ah ouais. On est comme ça, du coup. Vous pouvez choisir... Non, après, c'était des âmes, la mort, le tampon, la piqûre, voilà, quoi. Le tampon, la piqûre, vous m'avez compris. Il a tellement répété tampon, Monsieur Vert. Tampon. Voilà. C'est-à-dire que les âmes et les morts, avec des trucs qui sont censés être des armes pour tuer, bon. J'avoue. Ou bien après, une poêle, après, fonction, c'est pas pour tuer. Ouais, je suis mute. Vous pouvez choisir le personnage que vous voulez. Enfin, la dernière fois que j'ai eu une seringue, c'était censé me sauver la vie. En général. Bon, Alors, avec les visions que j'ai, il faut que ce soit simple. Donc, c'est drôle parce que il pourrait y avoir la chambre d'enfant. Associée au médecin. C'est le docteur. Ouais, comme c'est bien fait. Donc là, il faudrait que je fasse devis comprendre. Là, le docteur, le la associé à la chambre bêche, d'enfant. Par contre, ça c'est pas bien fait. Sauf que ça m'intéresse pas. D'ailleurs, le cuisinier, il aurait pu être associé à la poêle, hein, ça aurait pu être drôle. Donc, je vais choisir. Lui, non. Dans un salon avec un piano, c'est pas top. Lui. Nous, on captera mieux la 5G à partir de demain. Non. Ouais. Si, piano. Première ou deuxième ? Première. Ok. Moi j'ai la deuxième lundi 21. Je vais faire piano. La deuxième est prévue mi-juillet, je crois. En cuisinier, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Ouais, normalement c'est minimum 4 à 5 semaines après. Ouais. Voire même 6 du coup. Donc, j'ai le droit. Donc on va faire. Ça. Le corbeau. Voilà. Cuistot. Cuisinier. Fruits piano, c'est bon, on sait ce qu'on va faire. Mais marteau. Sucette, ça reste de la nourriture. J'ai peur qu'il tombe dans la chambre d'enfant. Donc on va mettre le fruit. Cuisinier. Comment je fais ? Comme ça ? Ah voilà. Pour le piano. Le piano. Et pour le marteau. Et pour le marteau. J'ai un doute, c'est dans le jeu contre le corbeau ou c'est chez moi ? Attends, pardon, j'ai pas entendu les questions. Actuellement, il n'y a pas de corbeau. Hein. C'est dans le jeu contre le corbeau ou est-ce que c'est chez moi ? Les deux. Je demande l'aide d'un ami. Gargouille sculptée. C'est quoi entre les corbeaux ? La phrase hors contexte, elle est vraiment bizarre. Allez. Il y a eu les corbeaux là ? C'est parti pour leur phase de débat. Okay. Bon, bah, du coup, c'était dans le jeu. Ok. Bon. C'est plutôt évident, je pense. Donc là, j'ai choisi ça. Il faut qu'il retrouve ça en fonction des cartes. En carte indice, j'ai mis pour la cuisine les pommes, les fruits. En piano, bon piano. Et pour le marteau, gargouille, sculptage. Le reste, ça m'inspirait pas plus, quoi. Puis la chambre d'enfant, derrière, t'avais le médecin et la soeur. Et qu'est-ce que t'allais te faire deviner ça, quoi. Pour la chambre d'enfant, oui, j'aurais mis. Pardon, les sucettes, mais le reste. Ah, je peux pas voir. Je peux pas voir ce qu'ils mettent. La poire, elle aura crevé, un repas équilibré, tout à fait. En temps de guerre, c'est un repas de luxe. Deux qui réfléchissent beaucoup quand même. Il y a un piano au milieu, faut pas hésiter.
réfléchit beaucoup, beaucoup. Révélation du coup. Oh bah, 5 sur 5. Ah, en fait, il y a un piano avec une carte piano, donc... Sérieusement, si c'était pas ça, je vais pas être content. Bon bah voilà. Tadam. Alors par contre, la troisième carte, au secours. Marteau, sculptage, gargouille. J'ai utilisé de marteau avec burin pour sculpter des trucs. Voilà, exactement. Sculpture aussi, moi. Es-tu en vie, Jay? Oui, ça s'est bien passé. C'est très rigolo dans ce sens-là. On a perdu Jay qui est mort. Dis-nous qui t'a tué, envoie-nous des images. Ah pardon, je m'étais pas démuté. Donc je disais oui, ça s'est bien passé, c'est très rigolo dans ce sens-là. C'est pas simple, hein, en vrai. C'est pas simple. C'est mentalement épuisant, je pense. Il y a eu l'avant-dernier coup de corbeau, j'ai quand même reroll pas mal de cartes parce que il y avait rien qui pouvait correspondre. Ah, tous les corbeaux que j'ai fait, moi, quand j'étais fantôme, il y a toujours eu plus de 5 cartes qui ont été reroll. Hein. Ouais, ouais. Le pire, c'est quand tu rerolles et que t'as pas non plus... Ouais. T'as pas l'impression d'être décoincé. C'est vraiment intéressant comme jeu, vraiment. Ah oui, ouais, et... Bon, vu l'heure, je sais pas si les gens restent pour une de plus ou pas. Oui, il y a Ando qui voulait être fantôme, donc à la limite, on peut faire une dernière. Eh ben, elle a une petite d'air. Ça se passe bien, ça te va? Ouais, pas de problème. Allez. C'est la partie. Tu la mets en moyen. De quoi? Tu la mets en moyen. Allez. Ouais. Moyen, c'est quoi là par la différence en fait? Il y a plus de compétitivité de choix en fait. T'auras plus de coupables, plus de lieux, plus d'armes de crime. Et pour le fantôme, ça change quoi? Et le fantôme, il a que 3 corbeaux sur l'ensemble de la partie. C'est ça. D'accord. Y compris sur la fin. Ça comprend aussi la phase de fin, ok. Donc ça veut dire qu'en gros je peux utiliser 3 corbeaux sur la première phase si j'ai envie. Mais t'en auras pas sur la fin. Et du coup j'aurai plus rien après. Voilà. Ça veut dire que sur le principe il peut utiliser 3 corbeaux sur le même tour. La Mais partie après, est faite. Voilà. Le petit Taspadin est attendu par ses parents dans la partie de Mysterium. Sorry. Bon appétit. Là, on est 6, hein, c'est ça? Mais on peut aller jusqu'à 7 joueurs. Hein, voilà. Oui. Ok. Donc tu vois, par exemple, là, du coup, on a... Putain, on en a 8. Alors ça, c'est McGonagall. Là, c'est Doctor Strange. 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, putain, c'est... Corps. Doctor Strange. Pour toute la partie, du coup, il a 3 corbeaux. Ah, puis il y a la gamine de psychopathe aussi. Ah oui, pour moi, rien qu'à sa tête, c'est la coupable. Hein. Qui ça, oui. la gamine, là ouais. Après, je sais pas, la prof d'école, elle est pas mal non plus dans le genre. Hein. Bah, c'est McGonagall. Elle a plus de l'or à son bras que de McGonagall. Ouais. Le musicien, il fait peur. Le musicien le joueur de cornemuse. Ouais. Avec son diapason. Alors, j'ai donc un manteau. La robe de Cendrillon. Bah, c'est la gamine, ça. Bah, le manteau, ça rappellerait pas la cape de Doctor Strange? Alors, le manteau, ça peut aussi rappeler le manteau que porte le concierge. Il y a des trucs enfantins dans l'empoche, t'as une espèce de bâton sucre d'orge sur la droite. Oui, c'est peut-être Cendrillon. Cendrillon. Elle peut se reposer. La journée, c'est et un pispette à brailler. Cendrillon. Patati et patata toute la journée, ça n'arrête pas. Ah là, mais c'est un peu.
Le ménage, le repassage. C'est donc le stream du DMC par Disney. Oui. J'attends que Mr. Green fasse le bruit de Gus Gus sur le ciseau. J'ai reçu une vision au passage. Des fioles, de la chimie, le médecin. Ah oui. Oui, probablement. Oui. Il y a personne d'autre qui pourrait utiliser des fioles et de la chimie, là. Bah, le musicien, s'il va au Hellfest avant. Non, oui. Non. J'avais jamais vu que sur cette carte, que dans l'une des fioles, il y avait des petites chaussures. Oui, pareil. Ouais. Et que dans l'embrasure de la porte, il y avait un fantôme avec une tête de... Ouais. De... chanteur de rock des années 70. Ouais, je pense à Mylène Farmer. C'est Nicolas Sirkis. C'est Nicolas Sirkis. On dirait Ozzy Osbourne. Ah, ou alors du coup, ça peut être des potions, de l'apparition, ça peut être la magie. Qui c'est qui fait de la magie? Ah, Doctor Strange. Ouais, je vais rester sur le toubib. Plus le médecin. Ah. Chevaucher des trucs. Ah, des montures, des déplacements, pilote. Ah, clairement, ouais. Clairement pilote. Ouais. Ah mais attendez, il y en a deux, j'avais pas vu la deuxième. Ah oui, d'accord, ok. Oui. La monture araignée, voilà. D'ailleurs, il lui manque deux pattes, on est d'accord. Donc c'était pas une araignée, donc t'as aucune raison d'être... De mettre dessus. Pas, en plus, t'as déjà vu des araignées avec une espèce d'ampoule, de cage ampoule avec une lune? Je sais pas, je les écrase avant. Pauvre bête. Par contre, du coup, la première en noir là. Ah. Moi, la première en noir, je vois vraiment la gamine. Hein. Fenêtre, téléphone. Fenêtre, téléphone. Truc qui pend. Oh, c'est le gardien, ça représente un phare. Une petite pièce ronde. Le cadran du téléphone pour les engrenages de l'horloge. Le côté que ce soit un peu des trucs mécaniques, tout ça. Tout de suite, quand le fantôme il a pas un corbeau par tour, et qui sait qui doit les économiser, ça fait de la défausse. Pour moi, c'est pas le gardien de phare. Enfin, je vois. C'est pas un gardien de phare. Oh, ouais, c'est un concierge. C'est le mec qui meurt au début d'Harry Potter 4. Oui, le pauvre. Putain, attends, je m'en souviens plus. Non plus. Il se fait tuer par Nagini avec oui. Voldemort. Putain, je m'en souviens plus. Dans le film, le bouquin ou les deux? Les deux. Films. La seule chose dont je me souviens de d'Harry Potter 4, c'est qu'ils n'ont pas adapté le match de Quidditch dans le film et que c'était scandaleux. Ouais, c'est l'un des plus longs bouquins et ils ont fait de l'élagage. Ah oh, putain, c'était... Alors, moi j'ai une... T'as un ours sous la poutre. Une rue, une entrée... Alors, est-ce que l'ours serait pas la gamine? Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. C'est l'entrée d'un truc, ça. Entrée, clé, concierge. Clé, concierge aussi, ouais. Effectivement, il y a une grosse serrure sur la porte, quand même. Bon, je vous fais confiance sur la gamine. Même si je suis pas serein et j'arrive. Au pire, c'est... Enfin, en vrai... Attends. Parce que du coup, là, pour le deuxième, pour Noémie... Amy apprend du coup le concierge. Ouais. Et le dernier il prend l'horlogère. Ouais, c'est le tourin, hein. Si on se trompe, on pourra toujours rectifier autour d'eux. Oui. Le truc c'est que pour le dernier joueur, j'ai aucune foutue idée de ce qu'on est censé deviner. Bon, apparemment c'était pas ça. Du coup, c'était bien la gamine pour moi. Alors pour Noémie, c'est quoi?
Donc c'est pas. Il lui reste quoi? Il reste les 4 premières du coup. Le fait que ce soit pour les enfants et que ce soit l'institutrice, mais alors. Ouais. La fourrure de l'ours en plus, je rappelle la bourse du joueur de cornemuse. Et puis il pleut comme en Écosse. Je sais pas. Et du coup, bah, effectivement, le dernier, probablement le concierge, mais. Bon, on attendra. Je pense qu'il va falloir attendre d'avoir une carte là parce que. Oula. Ou alors ce serait le joueur de cornemuse. Le téléphone, c'est le seul truc qui a un rapport avec du son. Alors j'ai une vision pour accompagner ma grille. Il n'y a pas beaucoup de téléphones à cadran comme ça en 1910 normalement. La ruelle. D'accord, mais la ruelle pourquoi? Les deux, ça reste un truc. Le magicien avec l'ourson et le. Mais pourquoi? Bah, l'autre côté. Bah... Alors pour la deuxième carte. Ah, attends. C'est pas l'ourson qu'il faut regarder, c'est les traces de. Bah non, mais c'est juste des traces de pas. Ah, l'invisibilité, la magie. Ouais. Enfin. Mais ouais, enfin, la trace de pas de quelqu'un invisible, mais même. Enfin, magique. Je vois que ça. Je vois que ça. Nous ne voyons pas d'autres explications. Il va peut-être falloir en trouver une autre au prochain tour. Oui. Sans part de déduction, je reste sur le magicien. Hein. Alors. Oula. Oh bah c'est une belle piscine ça. C'est une piscine mais ça peut être un jardin aussi. Ouais ça peut aussi être le. Ouais, le patio. Il y a des arbres avec le pincher. Le patio rond. Ouais. On la donne souvent pour le patio, j'ai l'impression celle-là. C'est des thématiques qui correspondent. Et par contre ce qui est chiant c'est quand on a la serre avec la fontaine. Ouais. Bah même là la piscine. Je partirais plus sur le patio que la piscine, personnellement. J'attends de voir vos distributions, mais... Mais pour le coup, je ferais pareil. Parce que, honnêtement, sur la carte qu'on t'a donnée, est-ce que c'est explicitement indiqué que c'est de la flotte sous la grenouille? Oui, quand même. Oui. Ça n'a pas la texture. Hein. C'est la lune, c'est la lune d'arc. Hein. Quand tu vois la mare, c'est la lune d'arc, le très fin croissant de lune. Et tu vois une petite rivière juste en bas qui vient nourrir cette mare en forme de lune. Là. Ou alors c'est un trou noir avec une grenouille qui est dedans. Attends, j'ai eu 3 cartes. C'est inquiétant. T'es où? T'es qui toi, le nom? Alors, t'as... Poisson volant. De l'eau et encore de l'eau. Ouais. À la piscine, du coup. Oh, attends. Quoi vient faire la poupée à la piscine? Elle est sous l'eau. Elle est... Ah ouais. Ouais, mais dans ce cas, est-ce que ce serait pas le bureau? Le bureau, il y a une thématique très très bateau, grande mer. Hein. Oui. Ouais, celui qui est en jaune n'a pas vraiment été aidé. Hein. Jaune. Au bordel. Ah non, j'ai de la bouffe. Bah la cuisine. Ouais, de la bouffe. Le garde-manger en l'occurrence. Oui. Ou la cuisine, ouais. Il n'y a pas la cuisine. Oh non, il n'y a pas la cuisine, c'est le garde-manger. Et en dernier, un aquarium. Et des notes. Oui, d'accord, donc c'est l'écossais, quoi. C'est qui en gris?
Griffe, ouais, je pense qu'il fallait voir, fallait entendre la sonnerie de téléphone plus qu'autre chose pour le téléphone, et donc la musique, le son, le genre de grenouille. Bleu, tu pars sur quoi? Joueur bleu. Le magicien. Magicien. Le magicien. Tu... C'est qui en gris qui a pas validé? C'est moi. Parce que je continue à réfléchir. Ok. Ce n'était donc pas le magicien. Ce n'était donc pas le garde-manger. Et moi, c'était pas la piscine. En fait, fallait que je voie le rail qui représente l'échelle et j'aurais la bibliothèque. Mais attends, quoi? Ça veut dire que c'est l'institutrice ou l'horlogère? Bah, plus l'instit, du coup, je dirais. Mais de quoi? Je ferais de l'instit par rapport à l'ourson et par rapport à la physique-chimie. Ouais, ou ça se trouve, plus simplement, les produits dans la ruelle, c'est de l'encre. La peinture. De toute façon, on est d'accord que c'est l'institutrice et pas l'horlogère. Je vois pas comment tu fais. Oui. Tu fais le lien avec l'horlogère. Oui. Alors, moi, j'ai un balai bateau. Oui, bon, bah d'accord, j'ai le bureau, c'est très marin. Ah, c'est marin. Oh, punaise. Aïe, aïe, aïe. Ça pousse encore plus à la réflexion que Codenames, quand même. Bah, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'interprétation. Ouais. Parce que t'as beaucoup plus d'infos par carte et dans les trucs à te faire deviner. Tout à fait, ouais. Après, par rapport au jaune, est-ce que la carte représenterait pas l'échelle qu'il y a dans la piscine? Ou l'échelle qu'il y a après? Non, plutôt l'échelle qu'il y a dans la bibliothèque. Ouais, dans la piscine, elle est très mineure, l'échelle. Elle est plus dans la bibliothèque. Ouais, vous avez ça. Ouais. Alors, j'attends de voir ce que je vais recevoir, mais je pars là-dessus, du coup. Ah, c'était pas le garde-manger que t'avais, du coup? Non. D'accord. Comment ça, c'est toujours pas le garde-manger? Alors, moi j'ai une vision bis, mais je vois pas le rapport avec la carte qui vient d'apparaître. C'est une distillerie, c'est quoi? C'est une cave à vin? Une cave. En fait, j'ai pris la piscine. Celle-là? La piscine? Si, c'est moi le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de blanc et de rouge qui m'évoquent le parasol et les bouées. Et avec la première truc? Bah écoute... L'échelle de la piscine, l'eau de la pluie qui rentre dans la piscine. Les poubelles pourraient évoquer les tonneaux. Et le fait que... Attendez, aussi la cave, hein. Regardez, prenez du recul sur les deux cartes, mais mettez-les côte à côte. La carte avec les fruits un peu spatiaux et tout ça, il pleut. La carte, là où il y a la piscine, il y a une tempête. Ouais. Ben non, je vois pas comment je pourrais trop faire le rapprochement avec. Enfin, tu vas me dire des tonneaux, c'est pareil. Non, c'est pas sur les tonneaux qu'il faut que je me base. Il y a des tonneaux sur la carte de la piscine et surtout sur la cave. Donc non, c'est pas les tonneaux. Non, ça tu t'en fiches, ça je pense. Mais l'idée du rouge et du blanc, oui, je pense que je suis d'accord. Oui. Parce que je partirais de base sur la bibliothèque, mais la bibliothèque, la deuxième carte, je vois pas ce qu'il évoque. Non, je vois pas non plus. Ouais, bah ça c'est clair comme ça. Ça c'est comme ça au moins. On va peut-être réussir à avancer.
Si là, c'est ah pas oui, c'est donc de la minutie, de la précision, de, c'est donc un travail d'horloger. C'était pas clair quand même, l'institutrice. Hein. Oh. Bah, livre, voyage, bibliothèque. Frigo, garde-manger. Frigo, garde-manger. C'est qui en rouge? Ou alors... Moi. Okay. Ou alors, tu vas dans la cheminée, là, t'as un espadon, la mer, t'as le livre, t'as du papier sur le bureau. Le glaçon, oui, l'ours polaire piscine, qui est en tapis, là. La piscine, t'as de l'eau. Non, en vrai, je préfère la bibliothèque. Mais du coup, ça tient aussi. Il m'en reste un, excusez-moi. Je suis le seul à être à attendre ma troisième partie en fait. Oui, c'est moi. J'arrive. Non, mais vraiment, je viens de me rendre compte que je suis le plus avancé quoi. Ouais, t'es le seul à être au niveau de l'arbre du crime. Ouais. En même temps, t'as eu ton assassin du premier coup et ton lieu du premier coup. Je réitère ma petite annonce. Si vous trouvez une machine à écrire de ce type, je suis preneur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, cette carte. C'est le poison. Ce serait le poison avec ça. Ouais, je pense que c'est une. Alors, ouais. C'est quand même un magnifique masque de hockey pour le patin à glace, non? Ah, mais champignons hallucinogènes, pommes empoisonnées, blanche-neige. Moi, je note que dans les armes du crime, il y a quand même une ardoise. Ah, ça peut être très tranchant, ouais, l'ardoise. Un tampon, hein. Oui. Alors, je pense que tu tues pas en tranchant avec un bloc d'ardoise. Tu peux t'ouvrir très facilement avec une ardoise comme ça. Ouais, mais je pense que tu tues pas comme ça, tu te contentes juste de frapper comme un sourd la tête du mec. Ah oui. Et tu laisses se vider. Et puis ensuite, tu le surines quoi. Avec un miroir, bah tu lui fais regarder le miroir, enfin le reflet dans le miroir. Puis après, en fait, la personne se regarde, puis. Le fantôme, c'est un vampire. Bon, bah c'était toujours pas le. Ah, c'était l'institutrice. Qu'est-ce que t'as eu comme carte? T'as eu la porte avec le nounours. Bon, c'était vraiment la porte de l'école en fait. J'essaie de faire comprendre, mais bon. Ah. C'est pas facile. Et puis après, pour le deuxième image, oui, c'était plus prof de chimie du coup. D'accord. Non, j'étais pas du tout là-dedans. Et donc. Ça se trouve, j'ai la cave, hein. Genre des fruits distillés pour rappeler le pinard. Les champignons pour les champignonnières, la cave, l'humidité. Moi, je te l'ai dit autour d'avant que ça pouvait être la cave. Bah oui, ouais. Ça pouvait aussi être la bibliothèque. Ça peut être plein de choses. Hein. Est-ce que la pelote de laine de ta deuxième carte correspondrait pas aux chaînes qui pendent au plafond de la cave? Ouais. Peut-être. Elle est où la cave? Attendez. Elle est là. Je suis pas hyper convaincu par ça, je t'avoue. Ah non, mais pour le coup, sur ta première carte, t'as les espèces de poubelles qui pourraient faire les tonneaux. Ouais, mais le truc, c'est que les tonneaux, il y en a aussi sur la carte de la piscine. Ouais, mais bon, c'est plus la piscine maintenant. Bah oui. Mais faut pas chercher la logique. Je veux juste dire, faut pas chercher la logique dans les tonneaux. Mais pour le coup, du coup, Aspadin a probablement la piscine. Ouais, c'est ce que je me dirais avec l'arbre qui est derrière. Est-ce qu'il a pas l'espadon? Non, attends, il est en l'air, hein, ça se trouve, il a le salon avec l'espadon et l'ours polaire. Il y a un glaçon, il y a de la mer. Ah, mais le bac correspondra à la piscine, t'as l'arbre derrière, l'eau. Bah, ou alors t'as le. Ah non, mais t'avais rien sélectionné! Et si j'avais pris la bibliothèque. Ah. Ou alors t'as le garde-manger, la notion de frigo. Ouais, c'est pas forcément le plus clair. Hein. Pas facile. Donc là, il manque l'arme, là le lieu. Ouais, pour la piscine.
En jaune, c'est Mr. Green, c'est ça? Oui. Yep. Il n'y a plus de corbeau et c'est la merde. Ah oui, déjà. Ah, ça va être sympa les dernières. Pas... Mais non, c'est pas la merde. Ouais. Oh là. La piscine, du coup, encore et toujours. La piscine, ouais, bleu, vert. Là, à part ça... Là, oui, la piscine. Avec l'aile du l'oiseau qui peut faire le petit bout du parasol arraché. Et surtout des oiseaux, en fait, à côté de la piscine. Oui, aussi. Je les avais pas vus. Alors, le bleu, il a... La bibliothèque. Pourquoi ? Bah, le stylo plume pour les bouquins, l'écriture, tout ça. Tu dis qu'il a la bibliothèque. Bon, moi, j'ai d'autres idées que vous. Et maintenant qu'elle arrive cette carte. Pour moi, le rouge, déjà, il est dans le. Je sais pas comment appeler ça. Salon avec la cheminée. Non, il a la piscine. La piscine, ouais. Ah, le glaçon, l'eau, je rejoins l'idée. Entre l'ours et puis l'espadon. Et la deuxième carte pour les couleurs. Bah justement, la piscine aussi. Je sais pas, si je mets des douves, c'est quand même plus pour représenter une piscine que la notion d'un poisson accroché à propos de l'océan. Ouais, c'est bon. Puis quant à moi, j'irais bien au salon avec le piano. Toi, t'es qui? T'es quelle couleur? Bleu. Moi, je suis bleu. Bleu. Mais après, c'est vrai qu'il y a le côté écriture, livre... Gigot d'agneau garde-manger... Cigogne... Toi, je mettrais plus la cheminée avec l'espadon par rapport à l'écriture, l'encrier. Et il y a un rapport des couleurs aussi, mais hein, après... C'est pas facile, je suis désolé, c'est vraiment pas facile. Non, mais si on n'a pas... Non, mais en fait, on cherche à me faire deviner les bibliothèques depuis le début. Il y a beaucoup trop de orange dans ces deux... Enfin, il y a beaucoup trop de tons rouge-orangé dans ces deux dernières cartes, en fait. Et ça correspondra à l'échelle. Ouais. Moi, j'ai un truc mécanique, donc la machine à écrire, je suppose. Un truc mécanique, réparé, écrou, boulon... Ouais, machine à écrire. Oui, machine à écrire, mécanisme, ouais. Machine à écrire, 100%. Mm. 100% jusqu'au prochain tour. Évidemment. Ça peut aussi être le fer. Hein. Ouais, bah... Mais alors, si c'est qui a dit qu'il était dans la bibliothèque? Mr. Green. Mr. Green. Jaune. Et du coup, moi, je ne peux pas être dans la bibliothèque. Donc, j'en reviens à ma première idée. Je suis peut-être au salon. Non, c'était... Si t'es pas dans la bibliothèque, t'es dans le garde-manger. Oui. Il y a beaucoup trop de bouffe sur ton image. Hein. Bon, bah, peut-être encore un peu jeune, hein, mais c'est de la bouffe. C'est Ando qui a derrière. Hein. Vraiment, je partirais plus avec Nino sur le salon bureau cheminée qu'autre chose. Hein. Il y a des fleurs dans le tableau. On retrouve des fleurs un peu partout dans le dessin. Parce qu'il me reste 30 secondes. Bon, je vais au garde-manger. Mais non. Non, fais pas ça. Bon, alors, je vais à l'espadon. Oui. En espadon. Faut cliquer sur oui, je suis capable de cliquer sur oui. Du coup, c'était bien la cheminée, mais ça n'a aucun sens. Mais c'était toujours pas la bibliothèque. Putain, mais qu'est-ce que j'ai? Nous, c'est en bleu, c'est ça? Oui. Donc ouais, c'était bien ça. Alors, c'est pas si vous avez remarqué, mais sur le bureau, il y a un tout petit stylo plume. Bah oui. Oh, non, où ça? Mais si, mais bien sûr que si. Attends, il est où, cette petite carte du bureau? Alors, attendez, je reviens là. Bref. Ah, du coup, on va sortir, Mr. Green, on va sortir. Allez, le fantôme. Oui, j'espère, parce que là, faudra que je one-shot l'arme du crime. Déjà que je trouve là, et que je one-shot l'arme du crime.
One shot l'arme du crime, je me fais pas trop de billes, il y en aura qui seront partis. Attends, parce que toi il te reste quoi? Il te reste. Mais du coup, c'est quoi là qu'il faut que tu prennes, Mr. Green? Bah, c'est une très bonne question. Bah oui. Ah oui, t'as le choix entre la cave et le piano. Oui. Oh bordel. La cave du coup. Ben. Champignon, cave. Le château. Le château ferait un peu. Ouais. Bah, champignon, après, cave. Le château, je sais pas trop ce que je suis censé voir dedans, mais. La garde bah, du château, parce que. Bah, toute la partie cave. L'aspect en pierre, etc. Les caves ne sont pas l'apanage des châteaux. Et les châteaux ont aussi des bibliothèques. Alors, le bleu a eu une vision. D'un lampadaire alors, malade. Il faut lui donner le petit cachet de tube jaune, là. Comment ça s'appelle? Ils ont pas eu du jus de vitamine. Non, c'est la eau quelque chose, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ocinocoxinum. Voilà. Un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Baron. El famoso médicament homéopathique. Bon, alors, si t'as quoi? T'as des parapluies, des réverbères, une écharpe. La corde, oui. Ah, la corde pour l'écharpe? Ouais. Ok. Alors, du coup, moi, avec mon truc mécanique, je n'avais pas la machine à écrire, donc j'ai probablement le fer à repasser. Ben, c'était peut-être pas la mécanique, mais plus le fer en lui-même qui fait que tu vois. Ou plomb. C'est soit les haltères, soit le fer à repasser. Soit le fer, soit les haltères, mais. Ouais, bon, j'ai une carte glauque et c'est quand même plus glauque dans une cave que dans une salle où il y a un piano. Encore que j'ai joué à Amnesia et il y a des belles salles où c'est glauque quand même. Mais bon. Voilà, si c'est pas la cave quand même. Les branches de l'arbre glauque rappellent un peu les formes de l'alambic. Oui. C'est un argument que j'accepte. Oui, ok, j'ai compris, c'est mécanique et c'est en métal. Et donc. Bah, et donc. Non, attends, il y a les lames, c'est donc le patin. Non, regarde en dessous. Regarde qui c'est qu'il a eu. Rouge-orange. Il a Titanic, ça peut être patin, glace. Ouais, moi j'ai pas patin, glace. Non, c'est. Oh, ouais. Bah, en fait. Si, parce que du coup, le fer à passer fait beaucoup plus penser au bateau. Ouais, c'est pour ça que la forme. Obvious. Ah, oui, coup, oui, en effet. Noix, en effet. Il a du métal potentiellement tranchant, en fait. Ouais. Il a des lames d'hélicoptère qui pourraient rappeler les lames du patin. Dans ce cas, la clé de la carte avant ferait penser à une lame aussi. Ouais. Bon, au pire, c'est pas ça, et dans un tour, on a perdu. Hein. Pour savoir, on a encore deux tours. Ah oui, non, on a deux tours. Ah bah, c'est bon. Et donc, mais large. Et donc, là, en fait, il y a un bug. C'est que quand tu fais « Êtes-vous prêt ?», tu mets « Non bah, ». En fait, tu peux jamais remettre « Oui » après. Tu peux pas sélectionner une carte ou un truc? Non. Hein, enfin, tu peux changer ton choix. Tu peux le mettre en « Choisi ». Mais derrière, tu te reposes là. Ah si. Faut cliquer sur l'horloge, ce qui est pas intuitif. Et tout ça, bonjour. Oui, c'était le garde-manger. Les fruits distillés, les champignons humides. Alors, c'était absolument pas un garde-manger, c'était une cave. Hein. Le garde-manger, c'était... Oui, pardon, la cave. Alors là, par contre, pour les armes... Bonjour, on est là. Alors... On a. Ah, attends, du coup, si c'était pas le bateau, du coup, Titanic, iceberg, patin à glace. Ok. Ouais. Et moi, j'ai quoi avec mes parapluies? Le miroir, le parapluie qui peut symboliser le. Enfin, la lampe qui peut symboliser le miroir. Ou alors les toits, en fait, l'extérieur, voilà. Les toits, donc l'ardoise. Les toits, l'ardoise, ouais, peut-être, ouais. Ah, les toits, l'ardoise, oui, bien vu. Et là, Rando, il est en train de dire « Non !» Bah, de toute manière, on verra ce qu'il va donner comme carte. Et là, il dit « Putain, faut absolument pas que je mette une carte avec un toit. » Ou de l'ardoise. Après quoi, en noir, ce serait la terre. Ah, ou alors, tu sais, c'est les parapluies qui tombent lentement, la légèreté, et donc l'inverse de la légèreté, la lourdeur, les haltères. Bah ouais, ça pourrait être ça. Hein.
Je pense pas. Parce qu'il nous met un éléphant ou un truc lourd, quoi. Oui, mais il faut qu'il en ait un dans sa main. Il faut que j'ai la bonne carte aussi, surtout. Rando. Vous savez, j'ai que cette carte. Hein. Un bateau. Oh, mon bateau. En bas, le patin. Rouge, le patin, oui. Au moins, j'ai fini ça. Jaune. Le jaune, on est obligé d'attendre. Bleu. Bleu, l'ardoise, ouais. Du coup, bah moi, c'est les haltères en noir. Ou le fer à repasser. Toi, toi, je partirais plus sur les haltères. Ça dépend ce qu'ils nous donnent. Ça dépend, hein, ouais, bien sûr. Salut Yakipon. T'inquiète, y a pas de problème. On est sur la fin de la dernière partie là. Il reste encore une réflexion ici, une réflexion après. Mais c'est un super jeu. Je sais pas si tu connais Mysterium, Yakipon, mais c'est un super jeu. Rando est en train de mourir là. Je l'essaye là, je suis actuellement en train de céder. Delta, Charlie Delta. Ça va te faire. Ah, attention, il y a une vision. Oh bordel. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Abandonner la mission. Alors, détoie pour le bleu. Donc, ardoise. Oui, oui. Okay. Le parce que bleu, là, j'allais me dire, pomme servait sur un plateau peut-être l'ardoise, mais non, du coup, je vais partir sur forme ronde, les haltères. Ah, mais ouais, ça peut aussi être la pomme pour... tu peux avoir le fer à repasser. Pour Blanche-Neige. Mais le poison est déjà pris, en fait. Ah, pomme miroir, ouais, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ah. Je vous rappelle que le fantôme est un fan de Disney, hein. C'est pas grave. Alors rouge par contre, ta carte, nouvelle carte indice, je comprends pas trop. Le tranchant des pics. Oui, le tranchant du pic à glace avec le tranchant des épées plantées dans le sol. Je sais même pas trop si c'était des épées plantées dans le sol, mais... Ça a l'air, mais... Donc les lames des patins. Ouais. Pied, patin, plat, pied, la trace de plat. Bon, j'attends de voir ce que Ralga va avoir. Oui, oui. Et là, Rondo est en train de regarder ses 7 cartes, il fait... Mais il n'y en a aucune qui fait un lien avec ça. Et oui, parce qu'il ne peut plus lancer de corbeau. Oui. Envoyez ce corbeau au mur. Si l'hiver pouvait venir d'ailleurs, ce serait pas mal, parce qu'il fait un peu chaud. Voilà. D'accord. Des poids, si, c'est des pneus qui représentent les poids. Comment ça s'appelle le némomètre là? Comment ça s'appelle? La némomètre. Le truc qui, les newtons, le poids. Le dynamomètre. Je sais plus. J'ai vu ça en première. Ça remonte. Oui, si c'est des newtons, c'est un dynamomètre. Mais... Oui, probablement. Du coup, le poids. Oui, la gravité. Du coup, je pars sur Disney. Allez. C'était pas Disney. Ah. C'était pas la gravité. Poids. Ah. On va y arriver. Et là, du Alors, coup... Final. Dernier tour. C'est le dernier tour. Là, voilà. On trouve absolument si on a perdu. Ok, voilà. Il reste Ralga et Monsieur Vert, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, t'as pas la corde. Hein, je vois pas comment tu fais deviner la corde avec la première carte. Bah, j'ai le fer à repasser en fait. T'as le fer à repasser, mais du coup. Le fer, ok. Est-ce que la. Pour jaune,
ce serait pas l'altère, le bout de l'altère qui et la colonne qui serait le manche. Si, mais bon, vu que les gens disaient non, ah, le gars, il a l'altère, tu vas voir. J'ai écouté les gens. Hein. Oh la mauvaise foi. À la base, moi j'ai dit que c'était. Alors à la base, je partais sur l'ardoise, mais l'ardoise c'était évidemment la personne qui avait les toits. Ouais. Bon. Ensuite, je me suis dit, bah du coup, la forme, les haltères, c'est rond. On m'a dit, oui, mais non, tu vois, Ralga, il a des tales et tout, c'est lourd, les trucs qui tombent, hein. Voilà. C'est pas de la mauvaise foi. Si. Ouais, et ça se trouve, c'est genre la notion de raconter une histoire, du coup, j'ai la machine à écrire. Super. Je ne pense pas. De toute façon, faisons par celui qui... Moi, il me reste que trois possibles. Il me reste le miroir, le patin à glace et la corde. Qu'est-ce que tu veux que je foute de cette carte de merde? Non, t'as pas le patin à glace. T'as le fer à repasser ou la corde. Ah oui, pardon, oui. Il y a du linge. Ouais, ça doit pouvoir être ça. De toute façon, c'est pas le miroir et c'est pas la corde avec cette carte-là. Ça peut pas être la corde avec tes deux premières cartes. Ouais, bah, avec la dernière. Hein. Ça peut pas être le miroir. Jamais tu fais deviner le miroir avec la première carte. D'accord. Et les haltères avec le jaune là, le lien. C'est lourd. Il y a un gros ours et une grosse baleine. Ouais, lourd. Ou alors, si vous voulez me faire deviner la lourdeur, la deuxième aurait amplement suffi. Pour me dire légèreté, donc l'inverse. De toute façon, ça peut pas être la corde avec à cause de la carte de l'ours. Bah même avec la première carte, à quel moment tu mis. Ah, il y a un tentacule qui pourrait. Ouais, voilà. Pour moi, c'est les haltères, du coup. Comment tu. Comment... Enfin, non, je vois pas le rapport entre l'ours et les haltères. Bah, c'est lourd. Si, c'est lourd, ouais. C'est costaud, c'est gros. C'est puissant, c'est musclé. Et avec la baleine, du coup. Ouais, ouais. Là, ouais. Pour moi, Joanne, t'es sur les haltères, là. Mais. Ok. Comme ça, tu pourras dire que c'est qu'on est nul et que c'est de notre faute si jamais on perd. Exactement. Alléluia. Ah. C'est, oui, donc j'aurais dû prendre des haltères dès le départ et pas vous écouter. Oui. C'était vraiment la forme de l'altère, la première. Et Ralga, c'était quoi toi du coup? Fer à repasser. C'était fer. Ouais. Ok. Dernière phase. Le fantôme choisit qui? Et le meurtrier. L'institutrice qui tue avec une ardoise, franchement. Sachant que là, il doit. Parle du joueur de cornemuse qui tue dans la piscine avec un patin à glace. Ouais. C'est Holiday on Ice. Camoulox. Et là, du coup, tu dois te débrouiller avec seulement les cartes que t'as sans pouvoir en reroll, hein, c'est ça le fantôme. Tout à fait. Oh là. Du pognon. Oula. Citrouille, cendrillon. Rapide et efficace. Un morpion. Ah, mais on a Cendrillon, mais on n'a pas le carrosse cette fois-ci. On n'a pas le carrosse, ouais. Alors attends. Ah, il faut qu'on se mute aussi. Ah oui. Alors, je suis mute Discord. Maintenant, il faut que je me débrouille avec ça. Qui c'est qui est riche là-dedans? Elle a des joyaux là. Princesse. Pourquoi ça? Pourquoi ça sera en rapport avec le salon, ça? Avec le bureau? Je sais pas. Et ça, qu'est-ce que ça, quel rapport avec le fer à repasser? Parce que c'est bien plié? Ouais. Là, je vois pas.
Là, au milieu, ça me perturbe quand même. Ah, les couleurs du tableau. Si, ça, ça peut être la première, ça peut être les gamines. La maîtresse, non. Je vois pas la maîtresse, je vois pas le rapport. Le doc dans la cave avec le poids, non. Le chauffeur... J'ai foi en vous. Ça tombe bien, nous, on n'a pas foi en nous. C'est pas le chauffeur. Moi, j'ai les fois. C'est pas le cornemusier. Ça, ça se dit pas comme ça. Ouais, non, c'est le premier. C'est la gamine. Pour moi, c'est la gamine. Les trésors qu'elle a dans la boîte. Le tableau. Le tableau ici. Ouais. Et le faire à repasser parce que c'est plié, ça. Je pense que c'est ça. Je me trompe peut-être complètement, mais pour moi, c'est ça. On va voir. Démute. Du coup, on est plusieurs à avoir mis la même chose. C'est une bonne chose, normalement. Oui. Richard. Yes. Qui c'est qui a pas mis la fille ? C'est Aspada. Ouais. Je vais vous dire un truc. La carte de Cendrillon avec la citrouille et les rats, je la garde depuis le premier tour pour ça. Pour la fin. Ouais, mais tu pourras... Justement, c'est celle qui m'a le plus embêté, là. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Bah, parce que c'est la seule... Compte pour enfant, la gamine. Ouais, et puis non, mais c'est la seule où elle est vraiment jeune parmi tous et être une femme, princesse, surtout. Princesse. Oui, mais la deuxième carte, elle n'est pas censée correspondre à la carte du milieu, donc le lieu. C'est pas dans l'ordre. Alors, de 1, c'est pas dans l'ordre, et de 2, je suis pas obligé de forcément de respecter. Oui, non, mais je pense. D'accord, j'avais pas. Ok. Et on est d'accord donc, que le fer à repasser, c'est pour le pliage bien plié origami. Non, pas du tout. Ah. Non, juste parce qu'il y a du métal. Même pas, de base, le je ne l'ai même pas mis. J'ai juste mis l'or et l'opulence pour la jeune fille, justement, pour la boîte à bijoux, encore une fois. Pour renforcer son côté sur elle. C'est ça qui m'a induit en erreur. Oui, par rapport à l'or de la médaille. Mais du coup, la carte avec le bateau sur l'eau et le jeu, c'est quoi ? Bah, le bureau maritime. Le bateau de bureau. Ok. Donc j'ai mis juste en ayant une justification totalement différente. Ok, oui. Très bien. Ah oui. Ok. Ça arrive. En fait, t'as trouvé une justification et tu t'es dit, ça peut pas être les autres. Ce qui voilà. Est une raison. J'ai fait ça, après j'ai regardé les autres et j'ai fait non, 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 et je suis resté sur la première idée. Du coup, je suis intrigué par le raisonnement complet de Aspadin. Ouais, Aspadin, du coup, pourquoi t'as mis le chauffeur ? Justement, par rapport à la problématique du fer à repasser que je retrouvais nulle part. Donc du coup, je suis passé sur autre chose. J'ai pensé au rat par rapport au poison. L'aventurier par rapport au gain. Donc l'or notamment, tout ce qui était or. Ouais. Et du coup, pour celle du milieu, le patio. Et celle du milieu, je suis aussi parti plutôt sur la partie poison. La tête de mort qui était sur le côté. En fait, les deux représentaient... Il y a la tête de mort qui représentait le poison et les rats qui représentaient le poison. Et en même temps, l'aspect un peu sombre du décor du milieu qui m'a aussi donné cette idée. D'accord. Et pour info, vous l'avez probablement pas vu, mais il y a des bateaux dessinés sur le muret du patio. Ah oui. Oui, c'est vrai. Bah, heureusement qu'on l'a pas vu. Hein. Eh bien, ce fut fort intéressant, fort... fort instructif aussi. On a gagné les 4 parties. On a gagné, c'était vraiment pas mal. Vous remercie à tous mes camarades de jeu. Je vous propose de remettre ça une prochaine fois avec le même groupe et on fait tourner ceux qui n'étaient pas en fantôme sur la prochaine fois du coup. Pas de soucis. On pose une date en privé. Et du coup, merci encore une fois. Merci d'avoir suivi le stream. Merci mes camarades de jeu. Suivez bien sûr la chaîne Yves Ascend, mais aussi les chaînes de Nino et de Mr Green qui étaient
avec nous ce soir. Pour ma part, je vous retrouve demain midi pour du Crash, enfin maintenant demain tout à l'heure du coup, pour du Crash Bandicoot premier du nom pour toute la journée. Objectif, terminer le jeu, le commencer mais aussi le terminer. La semaine prochaine, il y aura plein de choses avec probablement un peu d'activité manuelle, vous verrez. Rejoignez le Discord, soutenez la campagne, elle a un petit peu avancé ce soir, merci, merci beaucoup. Il y a les liens un peu partout. Prenez soin de vous, passez une agréable nuit, cordialement. Bisous. 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 Bisous.